Stepping up to clean like a washing and I ran. Got the besties all up on me, and them both was just a pair. Wake up, get refreshy, then I do it all again. Wish she tryna net me, told her go and get it in. Nigga, stack it up. Spin the block a couple times, they like, what happened? Real G, too fly like I'm a lady, The shawty in them jeans, I know she packing, Lil' rocket in it, then he disappear like magic, I smack your bitch, it sound like flip flop. Wake up, get that nigga doodle, tell that hoe to get locked. Nigga, about to blow, I'm like a bomb, I hear that tick tock. Just give me one more year, nigga, neck covered in big rocks. Money long, limousine, bring the hoe, bring the team. Just a nigga, with a dream. Just be careful, cause your life ain't always what it seems. Coming out day late, I'm tryna stay in my own. No, I can't look back at the past, no matter what I did wrong. Now I can't wait to be on tour and spend some time away from home. She hit my phone, I press ignore, I told her speak to the tone, yeah. Stepping up to clean like a washing and I rinse. Got the besties all up on me, hit them both with just a pen. Wake up, get refreshy, then I do it all again. Wish she tryna net me, told her go and get it in. Nigga, stack it up, spin the block a couple times, they like, what happened? Real G, too fly like I'm a lady, The shawty in them jeans, I know she packing, Lil' rocket in it, then he disappear like magic, Then I'm back in for that round two. Dola bless me with it, beat some nigga know I had to. And I know life's a bitch, so I'ma show her what that cash do. The same as all these other hoes, she probably wanna bag too. I'ma cop a private, take a trip out to Milan. I feel like the boss, nigga, I feel like the dime. I got all the racks, baby, bands, what you want? Got the bitches in the back, but got the trunk up in the front. She wanna lead you for the night, she said she like the way I'm styling. Bitch, I'm with this shit, and I'm too far, don't need a hydrant. Never thought a year ago that I could pay for rhyming. But now it's coming all together, feel like perfect timing. Stepping up to clean like a washing and I ran. Got the besties all up on me, hit them both with just a pen. Wake up, get refreshy, then I do it all again. Wish she tryna net me, told her go and get it in. Nigga, stack it up, spin the block a couple times, they like, what happened? Real G, too fly like I'm a lady, The shawty in them jeans, I know she packing, Lil' rocket in it, then he disappear like magic, Understand. Going broke's not in the motherfucking plan. Not at all. Understand. Fuck y'all. Do it for me like you do it for the grand. It's not a pile of my islands, just a tan. With your bitch. Do what I want, they do what they can. Can't do nothing. Understand. Stop the frontin'. Menaces laugh at you like hyenas before they grab at you. My people scavengers hit the driver, rip the passengers. A Marvin Hagler, a Mandela, master the massacres. I travel Africa, Tanzania, avoiding tacklers. The planes are shackles. Five souls, they contracting us. Phones tapping us. Government shutdowns, walls trapping us. The rich get richer, the poor even poorer. Sodom and Gomorrah, real life horror. Understand. Going broke's not in the motherfucking plan. Not at all. Understand. Do it for me like you do it for the grand. It's not a pile of my islands, just a tan. With your do what I want, they do what they can. Can't do nothing. Understand. What's understood and God be explained. They think we the same till I pull up in that foreign. You can see the pain tripping over hoes, getting kicked out the house. My side bitch know a rose, suck this dick, then I'm out. Been consistent through the years, what's the riffing about? Had to muffle up the cage, shells was whistling out. Y'all know the deal, I've been the problem child. Your baby mama wild, got her on the knees like she try and make Colin proud. Understand. Going broke's not in the motherfucking plan. Not at all. Understand. Fuck y'all. Do it for me like you do it for the grand. It's not a pile of my islands, just a tan. With your do what I want, they do what they can. Can't do nothing. Understand. Stop the frontin'. Car cost 200 and go 200.
Keep it real, keep it 100 and stack up the hundreds. Sugar land and heat in the RA. Knee drink, bus grip, get an A. Plus A bass coming at 8. First lane roll, then play the place. 300 bass going in June. I'm in the bender, it's just me and June. Ice cream, paint job, no Neptune. Make hits all night, do it again at noon. What else? Bad bitch, blow the whistle. Leave her, she send threats and triples. My back end's never little. Shotgun, 41 runs in Zittles. Let me tell you a story. I'm in the house like I'm Corey. Put you on CNN like my name Nori. Tell her, tell me when to go like Euphoria. I got a bottle whip, I can't rent it. I used to window shop, now I go get it. A dub for the feet, tiptoe, and it's tinted. If you counting me out, you can't count cause I'm in it. If you want the back like me, then you gotta stay down like me. Back up, little bitch, let me breathe. Don't press, little nigga, you don't know me. If you want the back like me, then you gotta stay down like me. Back up, little bitch, let me breathe. Don't press, little nigga, you don't know me. Get down and stay down. High school, I had a stick in the spray ground. Sandbox, 10 hand on the playground. No time for playing like I'm out in the first round. New rave cost me about 400. New crib cost me 2 point something. I done made a lot of money. She blow the whistle, shut up, don't say nothing. She having two, so they don't say nothing. You saw my name fake, you can get nothing. I stay down for a reason. Cooling system on the drum, they're both breathing. I cannot follow, I gotta be leading. New car drops up when I start leaning. Car cost 200 and go 200. Keep it real, keep it 100 and stack up the hundreds. Sugar land and heat in the RA. Knee drink, bus grip, get an A. Plus A bass coming at 8. First lane roll, then play the place. Car cost 200 and go 200. Keep it real, keep it 100 and stack up the hundreds. Sugar land and heat in the RA. Knee drink, bus grip, get an A. Plus A bass coming at 8. First lane roll, then play the place. Heard it before, you not in a place. When money go up, damn, I got all these friends. Nigga, you wasn't my mans. All these bitches want ends. Hold up, I need my advance. Pick up the money calling. Pick up the money calling. Nigga, you wasn't all in. Pick up the money calling. Nigga, you wasn't all in. Oh shit, no, I'm still taking a risk. Nigga, this 2 times 6. Watch how this money gon' flip. All of my bitches is lit. All of my diamonds don't hit. You know my niggas legit. You know my paper legit. Drippin' like water, you know. I need my necklace on froze. Flying to Paris before. She want that white for her nose. I need racks. Like I just caught a disease. I got the drive and the keys. Money be speaking Chinese. Before you not in a place. When money go up, damn, I got all these friends. Nigga, you wasn't my mans. All these bitches want ends. Hold up, I need my advance. Pick up the money calling. Pick up the money calling. Nigga, you wasn't all in. Pick up the money calling. Nigga, you wasn't all in. Thank you.
working on a beat, you know what I'm saying? Hey, hey. I'm always flexing. Yeah. I'm always flexing. Yo, bitch, always texting. Pull up on your block with a fucking Smith and Wesson. Why you testing me? Yo, bitch, she stressing me. Why she texting me? She gon' get the rest of me when I finish my show quick. She gon' fuck my bro quick, then kick her out the door. Shit, I need more shit. I keep me in motion. I'm whipping with that potion. I'm potent, it's potent. Bitch, you know I'm toting these pistols. I ain't joking. Bitch, I'm fun when I'm snacking in half when I rap. That's a fat camera hat on the track. I'ma snap in half when I rap. That's a fat. Okay, okay. Backpack and a snapback. I'ma backpack on fuck. All in my bag, I'll be counting these stacks, yeah. I'll be cheating, fuck, making that cheese, so I got rats, yeah, what? Yeah, I call up my cats, yeah. We come from the trap, yeah, yeah. Hold up with a Mac, you might get hit in your back with a sack as a flag, okay, okay. Do this shit, ole, bitch, no, I don't play, bitch, no, I'm gon' play the game. You insane in the brain, if you know what I mean. I'm a main lane rapping machine on a scene, smoking green on the gas on the pack. Yeah. Fuck, I was about to say rats again, but it's okay. Snapping my grandma in half, I got a shoe in my ass. I fuck your bitch with a cast, this shit infectious, no staff. Shit on the preacher in mass, dick it be tall like giraffe. Hitting this jewel, not in glass. Hitting this jewel, pee in a pool. Taco, he call me a fool. He a skunk. Suck my junk, ay, yeah. Get in my trunk, ay, yeah. You a punk, ay, yeah. Don't act up, ay. I got the tool, I show you what it do. I'm posted in the pool, blast off jet fuel. DBS on my neck, ay. You get no respect, ay. Yo, bitch me with that tech. I act like we never met, Don't fuck with the set, you gon' get hit with that tech, Yeah, yeah. I'm always flexing. Yeah. It's Lil Taco, I be grabbing my dick. I be posted up with my motherfucking click, yeah, and I got that big clip, fuck on your grandma, and then I got a dip, in my jeans, I got cash, I'ma put it in my ass, holy shit, bitch, I'm speeding, going fast, I'ma crash, oh my god, hey, yeah, yeah. Coucou, 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 comment allez-vous en ce samedi, en ce week-end de Pâques? Oui, c'est ça, en ce week-end de Pâques, avec la chasse aux œufs et bien sûr également la World Team League. Aujourd'hui, on va avoir deux matchs à vous proposer. Je vais avoir deux matchs à vous proposer, pardon. On va avoir la team Laoper face à la team NV qui va commencer incessamment sous peu. Et ensuite on aura la team Exeon face à AfrikaFlix. Hier nous avons eu Invictus Gaming face à Good Game Gaming, qui d'ailleurs Invictus a marqué son premier point puisque ZY a battu Patience, enfin a fait égalité avec Patience un partout, mais devant au début Dream Messiaen avait fait le taf déjà, donc voilà. Un peu dommage pour Patience, hein, et ça a été le seul de son équipe à perdre une map. Et ensuite on a eu KZ Gaming et Shopify. And here I am hanging around hoping for the English stream. No, not today, Blood. I'm so sorry, not this time. I need to stay focused in French. Et hier, nous avions donc le deuxième match, c'était KZ Gaming face à Shopify avec un nice match en place puisque Innovation a affronté Bion et Innovation a battu Bion. D'ailleurs, je l'avais dit, il said so yesterday. Yeah, I said that, yes, but I said that, but I'm not do it, not today, maybe tomorrow, maybe tomorrow. Yeah, thank you, have fun too. Et donc on a eu Innovation qui avait battu Scarlett face à Bion qui avait fait match nul face à Time, donc ça a fait 1-0 face à Innovation dans un TVT de folie. Cet ace match était magnifique à voir.
Et donc aujourd'hui on a un team là au pair face à la team NV qui va démarrer. Bonsoir Loge, comment vas-tu en ce samedi 3 avril? On a donc la team là au pair face à la team NV, Wanted face à SOS, Alka face à Maru et Jeshi face à Percival. Je vous le dis direct, ça va partir sur un 4-0, ça c'est sûr. Là SOS et Maru vont gagner. Derrière Percival, Jeshi, je pense que ça va peut-être faire face à comme face à Good Game Gaming et Invictus, ça va être un partout. Ça va même si TY joue pas aujourd'hui. Non, TY jouera demain. Attends, non, si. Attends. Non, il joue pas aujourd'hui parce que c'est, il est chez Afrique Afrique, c'est TY. Non, il joue pas aujourd'hui. Pas de TY aujourd'hui. Voili, voilou. Donc on va faire directement un tour au niveau tout simplement du bracket que nous propose. Nous fait voir les créateurs de ces magnifiques petits trucs. D'ailleurs en fait je suis bête, mais ce que je vais faire c'est que je vais couper ma musique. Ça serait peut-être mieux quand même. Comment on va avoir la musique du jeu, voilà. Hop. Voilà, je vous remets ça tout de suite, vous inquiétez pas. Hop là. Voilà. La team NV de SOS qui va affronter Wanted. Ça va être un... on voit que Wanted, lui, on voit que ses stats sont... on peut dire que les stats à Wanted sont peut-être réellement ses vraies stats à lui. Comparé à SOS qui sont assez délirantes quoi, mais voilà, c'est assez comment dirais-je, ce n'est pas contradictoire avec les stats qu'on a pu voir auparavant, hier et la semaine dernière, qui étaient totalement n'importe quoi. Ah, on va avoir la pub de Loge, on va avoir la pub de la cuisine. Ah non, ah on l'aura pas. On n'aura pas la pub de la cuisine. Ah, dommage. Dommage. Pas la pub de la cuisine. Zut, flûte, cacu boudin. Allez, on est parti pour cette première map de cette première game, de ce premier clan war de la journée. En haut à droite, en proto ce rouge, il s'agit de SOS pour la team NV. Et on est sur pilier d'or. Et en bas à gauche, pour la team Lauper, il s'agit du Zerg bleu Wanted. Il est recherché. Alors, je sais. C'est marrant comment il joue. Ah non, putain, je me disais purée, mais comment il joue bizarrement SOS à la façon de s'y mettre ses mains. Mais non. Non. Il joue normalement. On est parti sur un petit scout de la part de SOS. Voilà, pas de B2. On va empêcher la pose de B2, mais Wanted va aller poser sa B2 sur son slot de B3. Tiens, c'est bizarre, où est-ce qu'il la pose sa B3? Enfin sa B2, il la pose en haut sa B2. Ouais, il la pose là sa B2. Je l'aurais pas posé là moi en Zerg, je l'aurais posé à droite à 6h. Mais c'est assez bizarre. Bon, est-ce que vous avez déjà récupéré des œufs? Ou pas encore? Est-ce que vous avez déjà fait la chasse aux œufs aujourd'hui? Alors ce sera peut-être plus tard, après la WTL. Mais est-ce que vous avez déjà commencé? Alors on a un Nexus. Un Nexus First, c'est? Non, c'est pas un Nexus First, c'est une Gate Expand. Oui, c'est une Gate Expand, oui, bien sûr mon cher. Mais bien sûr mon chat, c'est une Gate Expand, mais n'importe quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait du son dans leur truc. Ou alors il est très très bas. Donc on a Gaz et Cyber du côté de chez SOS, du côté de Wanted. Sa poule qui vient de sortir. La Sab et de qui va se terminer. Il a lancé une première Queen. Il a lancé le Speed également. Et deux Zergling aussi sont en préparation. Mais il n'y a pas de...
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ah, il est très, très bas leur son de leur côté. Oh, c'est moi qui suis source aujourd'hui. Alors, on a un adepte qui est chrono-boosté. On a une Starriette qui a été vue d'ailleurs par Wanted, qui nous fait une deuxième queen dans sa B2. Voilà, on a... Je crois qu'il y a un drone. Voilà, il y a un drone qui est positionné par la B3 qui est d'ailleurs positionné et lancé. Et on va donc continuer à faire... peut-être prendre un petit drone. Non, ce sera un Zergling. Un Zergling de prix. Peut-être un... Oh, un drone. Ah, oh, dommage. Oh, il le prendra. Il prendra quand même un drone. Oh, c'est bien joué ça. C'est bien joué de la part de SOS. Il a quand même pris un drone. C'est bien ça. C'est bien. On a un oracle en production. On a posé une première spore. Enfin, un premier spore, pardon. C'est un sporuleur. Et pas une spore. Une spore, c'est pas pareil que un spore. la B3 n'est pas encore terminée. On a l'ajout du deuxième gate. Un void ray après l'oracle. Ça, c'est pour aller faire du décrypage aérien. C'est pour enlever les overlords. À droite et à gauche, malheureusement, il n'y en a pas. Où la queen elle est partie. Est-ce qu'on va peut-être prendre un drone? Allez, un drone. Un drone avec cet oracle. Hey, Sheldon, how are you today? Un deuxième drone. Est-ce que tu gères, Sheldon? Ton anglais? On a pris deux drones avec cet oracle. Et les adeptes pour l'instant n'ont rien fait. Je gère toujours. Bah c'est cool. C'est nickel. Cool. Pour l'instant il a pas trop fait de dégâts notre ami SOS. Pas du tout même. On a pris 3 drones avec les oracles et les adeptes. 3 drones et un Zergling pour l'instant, c'est pas énorme. Pose de B3 pour SOS. On a aussi le conseil crépus. On a une deuxième. Un double gate qui est posé et on recherche les glaives de résonance. Par contre du côté de chez Wanten, on vient simplement de poser son bâtiment à cafard et c'est tout, et on prend deux autres drones, c'est très bien. Peut-être un troisième, pas de troisième drone. Voilà, glaive de résonance qui va être chrono boosté, bâtiment à cafard, le T2 bien entendu, puisque bâtiment à cafard sans T2 ça sert strictement à rien. On ne peut pas lancer les reconstructions gliales, on ne peut pas lancer tout simplement les améliorations des roaches. Et on a déjà beaucoup d'adeptes. Ça fait 6, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 adeptes. Il y a un Void Ray, il y a un Oracle. Ça peut faire du dégât déjà tout ça. Ça sent que les glaives de résonance sont bientôt terminées. Voilà, 2, 4, 6, 8. Il y a 10 adeptes. Voilà, ça va peut-être. Allez, hop, une première roach. Allez, hop, ça c'est bien joué ça. Il y a 10 secondes pour. Oh là là. Il fait déjà des dégâts sans les glaives de résonance. 5 drones déjà de prix. Il y en a encore 4 autres d'adeptes qui arrivent dans la B2. Enfin, dans la B3 plutôt. Enfin, c'est la B2 au départ. Et. Oh, il va tomber le T2 avec ses 10, avec les 10 adeptes du départ. Non, c'est pas vrai, il va pas tomber le T2 SOS. Non. Ah si, il continue à attaquer le T2. Caméra, merci. Lol. Ah, il va le faire. Non. Ah non. Ah non, il continue pas. Ah dommage. Oh le T2 juste. Bon, on dirait pas. Toujours 5 drones. Et peut-être le 6ème drone. Ouais, c'est là. 6 drones de plus. Ça fait quand même qu'on est à 5. On est à 30 drones. Sur 3 bases, on a 30 drones simplement pour Wanted contre 53 propres. Il a pris 18 drones. Ah oui, quand même. 1999 de perte de minerai, quoi. Bande de rien. C'est pas 2000, c'est 1999. Voilà. Genre, l'oracle qui attaque le T2, quoi. La détresse d'un Zar. Ah bah là c'est la détresse totale. Là c'est là je pense qu'il peut quitter la game Wanted. Là il pourra rien faire quoi. Ah ça. Voilà, mais on a 2000, il a perdu 10 adeptes pour un oracle simplement. Simplement il va peut-être prendre ses propres. Non même pas. Oh là là.
Oh, les force field de SOS. Là, il y avait un force field encore. Oh, joli. Oh là là. Oh là là. OMG, quoi. Ça, c'est trop bien joué, ça. Ça, c'est trop bien joué. Oh, c'est force field. Quand toi, t'essayes de les faire en ladder, tu te rates complètement. Alors, SOS, on voit que c'est du pro. Hein. On voit que c'est du pro, quoi. C'est très très bien joué, là. Bloquer les airlings comme ça entre le minerai et la map. Enfin, entre le gaz et le bordure de map, c'est très très bien quoi. Allez, on warp 8 stalkers. 8 stalkers en plus, on a 2 IMO, 2, 4, 6 et 2, 8. 8 sentry. Ça va force feed d'un max. Hein. Ça va force feed d'un max. Là, on s'en fout. Là j'ai envie de vous dire, là, les pertes de drones ici, sont les pertes de props sont pas chiantes pour sachant qu'il en a 9 de plus. Voilà, un petit force feed. Voilà. IMO ici. Hop. On esquive les builds. On va taper le bâtiment roach qui a l'air qui est super bien placé, hein, le bâtiment roach. Hein. Merci de le mettre là. Voilà comment perdre son bâtiment de production. Maintenant on va produire que des airlings de la part de Wanted. Encore des force feed bien joués. Oh là 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 là. Et ça produit encore du force feed. Et ça fait du force feed. Et une centrée. 75 de pop armé à 40. Mort de rire. 60 probes à 40. Allez, GG Wanted, 1-0 pour la team NV, 1-0 pour SOS. C'était rapide. C'était rapide. C'était vraiment rapide. Et après, on a Maru face à Alka et Percival Jishi. Je pense que c'est peut-être le seul match de ce clan war qui sera équilibré, quoi. Qui sera équilibré parce que les deux premiers sont loin d'être équilibrés, sont même très très loin. J'ai envie de vous dire, je suis Alka, je rencontre Maru, je fais pipi dans ma culotte quoi. Je me dis, oh mon dieu, c'est Maru, l'un des meilleurs terrain coréens, oh là là, je vais faire quoi? Je vais faire une proxy, sachant que Maru il va faire une proxy Rax dès le départ, je crois. Première game, il va faire une proxy Rax, ça c'est sûr et certain. Mais bon, on n'est pas encore là, on est toujours dans le premier match, SOS face à Wanted, et suivra après la team Exeon face à la team Africa Freaks, qui va être peut-être un match un peu plus équilibré aussi, un petit 50-50 ou peut-être un 60-40 à la rigueur pour la team Africa Freaks, mais à voir, et on est parti sur Aura de Mort. Pour cette deuxième map, je me demande si notre ami Wanted ne fera pas un petit cheese pour tenter de mettre le point. En tout cas, la semaine dernière, ils l'ont pas fait. La semaine dernière, ils sont pris un 6-0. Ils sont pris un 6-0, l'équipe là au pair. C'était vraiment inévitable pour eux la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, ils ont affronté la team Good Guy Gaming la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, on est parti dans la deuxième map, Aura de Mort. Et en bas à droite, en Protoss rouge, il s'agit de SOS. Je vais regarder ça, et c'était face à... Ouais c'est ça, face à Casey Gaming. Et en haut, à gauche, en zergue bleu, Wanted. Ils se sont pris un 6-0 face à Casey Gaming, et Wanted s'était pris un 2-0 face à Time. Voilà. J'ai chié un 2-0 face à Innovation, et il y avait un nouveau un joueur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jolly Valoves, qui s'était pris 2-0 face à Solar. Donc ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire de beau de ce côté-là? Donc on a une gate et on a une hatch du côté de Wanted. Voilà, il a posé sa hatch sur sa B3 et du côté de SES, on a posé sa gate dans son wall de B2. Donc enfin, je pense que notre ami SES partira sur un gate expand comme il a fait tout à l'heure. En tout cas, c'est sûr et certain, le gaz est pris et la poule est posée par Wanted.
On part sur du standard pour l'instant. Pas de cochonnerie, voilà. On a les 400 de minerais. Pose de Nexus. Et ensuite, on va poser le Cybernetic Core. Donc pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas grand chose du tout, même. On a production de probes, voilà, on a de l'over qui sort, du drone aussi. Et la poule qui va se terminer, on va pouvoir lancer, c'est Queen puisque la B2 va se terminer également. Voilà, B2 qui se termine, deuxième Queen lancée, on va avoir les 100 de gaz et on va lancer son speedling pour Wanted. On a un premier adepte en production. Pour SOS et on est parti sur Stargate. On fait le même opening du côté de SOS. J'ai l'impression que SOS il est sur un tabouret. C'est bizarre comment il se tient. Il est vachement haut, je trouve. Sur la caméra en tout cas. Je le trouve vachement haut. Peut-être la façon dont sa caméra est positionnée. Mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Allez, pose de B2, troisième hatch pour Wanted. Voilà. Et on va partir sur. Il joue debout là. Ouais, j'ai l'impression qu'il joue debout. Je sais pas, c'est marrant comment est-ce qu'il est positionné. Il est vachement droit. On va voir, c'est le positionnement de la caméra. Ouais, les caméras fort en plongeoir. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ouais, mais je trouve ça bizarre quoi. Après, peut-être qu'il est assis par terre et sa table basse. Quoi. Il joue sur sa table basse. C'est pour ça que je trouve ça bizarre quoi. Donc on a un oracle. Oracle dans sa Stargate. Deux adeptes, un troisième en production. Conseil crépus, très bien. SOS a décidé de faire la même qu'il a fait lors de la première game. Et on a un sport qui est déjà en production. Adepte en mode shade. Voilà, on va arriver. Coucou. Et on va essayer de commencer à prendre des petits drones, des petits zerglings. Est-ce qu'il n'y a pas une stas avec cette... Non. Ah non, il va attaquer. Il va attaquer. Très bien. Il a décidé d'attaquer avec l'oracle. Bon, ça n'a pas trop fait de dégâts par contre. Je crois qu'il a juste tué un zergling avec son... Il a juste tué un zergling avec son oracle. Et il a pris 4 drones quand même. Ah là, c'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Et on est bien parti sur la même chose du côté de chez SOS. Glaive de résonance, 3 gates supplémentaires. Et on a la pose de B3. Et hop là. Et de la sauge qui brûle pour ailleurs. Je sais pas si c'est ça, mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Et on a quoi? On a encore le bâtiment Cafard qui est positionné sur la B3. Très bien. Enfin sur la B2 mais qui est maintenant devenue B3. Mais je sais pas c'est quoi son délire à... Ah pardon. Ah, le délire à Wanted de positionner ses bâtiments de tech là-bas bizarrement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Allez, 4 adeptes supplémentaires. Boom. On shade. Ça va nous faire beaucoup. On est 2. Alors il les a pas vus. On est 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. On est sur 10 adeptes encore. 10 adeptes pour SOS. Alors là il a un petit retard de. On voit qu'il a. Cette fois-ci il a un retard de probe. Mais c'est pas ce qui va le déranger plus que ça. Puisque voilà, il va arriver. Allez hop. 2 déjà, 3. Oh purée, oh mon dieu. Mais que fait cet homme là ici? Que fait ce Protoss dans cette game? 7 probes déjà pris quoi. Et on shade, voilà, on shade back, on rentre chez soi, on a pris 7 probes quoi. 8 maintenant. 7 drones pardon. Excusez-moi, drone, pas probe. On a pris 7 drones. Et là les Arlings qui font des dégâts. Là on est arrivé, on va choper. Non, oh oh, on est un petit peu en train de mongoliser là par contre. 11, 12. Ça y est, voilà, on était en retard au niveau du probage. Au niveau du probement du côté de chez SOS. Et juste avec 10 adeptes, on est repassé devant quoi. 13, 14, 16, 12. Oh, il est en train de... Oh, franchement, quitte, quitte, on t'aide, quitte.
Hit. S'il te plaît, quitte. Oh là là, 16 drones sont tombés. 20 drones sont tombés contre 15 adeptes, toi. Oh là 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 là. Derrière, on est en train de reproduire. On produit 2 limo. On a ajouté 4 gates supplémentaires. Alors par contre, est-ce que ça va suffire, bien sûr. Bah tiens, on a un milliard de... Oh, c'est passé. Oh là là. Ah, les arguments qui sont passés. Ah, par contre, là, ça peut être bien joué pour Wanted, là. Là, ça peut faire du dégât, là. Déjà, 9 probes qui sont tuées, c'est déjà pas mal, ça. 10 probes maintenant. On est en train de faire du dégât sur la B3. Bon, on mongolise un petit peu. Alors, on a mongolisé face à une... Fort de rien. On a mongolisé face à un pylône et une batterie de bouclier, quoi. Pour des probes. MDR. Pauvre Zerging. Pauvre Zerg. Et là, l'oracle qui vient de se faire un roach. Bravo. Muta. On va partir sur de l'aiguille, sur du mutalisque. Alors, est-ce qu'il va le voir, SOS? Parce que là, pour l'instant, il est parti sur de la, sur du non anti-aérien, pardon. Production de prisme. Là, le muta, est-ce qu'il va... En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a produit le bataille muta, sachant qu'il a rien en gaz. Là, il peut produire un muta là. Sans gaz, il va produire un muta. Notre ami Wanted. Allez, 2 muta. Voilà, 2 muta, bravo. Oh, le prisme. Halluciné quoi. Ah, ça c'est bien joué ça. Oh, le prisme halluciné dans la B1. Je sais pas s'il peut se mettre en parapluie ici. Non, il peut pas se mettre en. Non, il se met pas en parapluie. Oh, les forces vides encore là. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà, on a fait le batamuta, enfin l'aiguille, on sait pas pourquoi. Oh là mon dieu, oh les, oh. Oh, ça me fait mon samedi ça, ça y est. Oh là là là. Oh, comment c'est trop bien joué les force field qui nous met SOS. Ouais, ça, ils s'amusent à mettre des glaçons quoi. Vas-y que je te glaçonne la figure. Allez que je te glaçonne, bim, boum. Et je shade. Allez, je vais faire du dégât avec mes adeptes. Voilà, je me barre. Maintenant, je vais... Voilà, allez hop. On force suite sur la B3, dans la rampe. Boum, de l'autre côté, on va choper une petite queen. Et là, on reforce suite encore. C'est magnifique. C'est bien joué. 72 de port pamé à 50. Et là, encore une fois, voilà. On a... Oh là là. C'est trop bien joué de la part SOS, quoi. Juste avec ses shades, il fait des dégâts, quoi. Avec ses adeptes. Oh. Il lui fait tout, mais alors tout, là, l'aiguille qui est là, je ne sais point pourquoi. On a positionné l'aiguille parce qu'on avait envie. Ouh là là. Ouh. Oh, il est en train de. Oh, il s'est build des drones. Il s'est build des drones Wanted. MDR quoi. Oh là là, on voit totalement, comme tu disais tout à l'heure, Loge, la détresse du Zerg. Ben là, c'est carrément une telle détresse qu'on est en train de se build des drones. 21 drones tués par simplement des shades des adeptes quoi. Des adeptes et on shade à gauche, on shade à droite, on shade à gauche, on shade à droite. C'est ça, il dicte la game, il fait, c'est lui le patron dans la game. Voilà, 41 drones, 115 zerglings, 8500 de minerai tués. Enfin, le perdu. 8500, je dirais même plus parce que il est en train de refaire le batamuta. Il veut faire des mutas, arrête! T'as pas les ressources, mec! Oh là, les builds, je sais pas si elles ont touché, mais je pense pas que les builds aient touché. Il est en train de faire le baptême, l'aiguille. Pourquoi t'as pas de gaz? T'as pas de minerai? Arrête, pose. Pose ta souris. Pose ton clavier. Voilà, et derrière, on voit que SOS, maintenant, il revient avec des stalkers. Il a le blink qui va se terminer. Ça va être... Ouais, ça va être déroutant, quoi. Ça va être déroutant. Pourtant derrière, Wanted, il a peut-être perdu 41 drones, mais il a quand même l'avantage au niveau du récolteur. Hein. Il est repassé devant avec 66 drones. Mais t'as rien, tu vas produire. Voilà, tu produis 10 roaches là. Et il a quand même cancel l'aiguille, d'accord, ok. Je me disais c'était peut-être temps quand même. Oh le blink. Oh GG, voilà. Merci d'être venu, Wanted, c'était cool. 2-0. C'était cool 2-0.
C'était magnifique. Durée de la game, je crois 10 minutes, tout est pour tout. J'ai pris à 13h, donc ça a duré de la game, allez, 20 minutes. Ah, voilà quoi. Enfin, durée des deux games, 20 minutes. Merci d'être venu, Wanted. C'était cool. Non, mais enfin, je sais pas pourquoi, mais il sent que. Je sais plus combien est-ce qu'elle coûte l'aiguille. Je crois qu'elle fait 150-150 l'aiguille, je crois, il me semble. Le bâtiment, si je dis pas de bêtises, il fait 150-150. Mais il a dépensé deux fois pour faire aucun muta quoi. Parce que son idée c'était partir sur muta quoi. Mais là il en a fait aucun. J'ai pas. C'est 200-200. Merci Yves Matraque. C'est 200-200. Donc là il a dépensé deux fois deux. Donc il a dépensé 400 de minerai, 400 de gaz. Pour au final ne faire aucun muta. Donc en fait il s'est enquiquiné à vouloir faire des mutas alors qu'au lieu de faire des mutas il aurait pu produire plus de roach. Plus de roach et de ravageurs. Donc c'est un peu dommage en tête sur cette game, voilà. Un peu dommage. Et on va repartir sur Alka. Alors c'est assez statistique. Un octogone tout petit. Un octogone tout petit pour se faire défroquer. Ouais, pour un petit cul nu quoi, voilà. Pour se faire cul nu quoi devant toute la classe. Là, le petit Alka qui a son octogone qui est tout petit. Alors, tout petit. Voilà, face à Maru. Attention, l'octogone, il est immense. Voilà, c'est un octogone de sauvage. Et là, Maru, sur sa photo, il est pas venu pour. Il est pas venu pour tailler une bavette. Il est pas venu pour tailler une bavette, le petit. Hein. On voit la différence. Ça fait là, c'est David contre Goliath. C'est l'adage chinois. Perdu pour perdu, sur un malentendu, j'aurai des mutas pour faire tout le tutu. Je sais pas si c'est l'adage chinois, mais je crois que c'est ce qu'ils sont en train de, c'est ce qu'ils vont mettre dans leur, comment dirais-je, dans leur, c'est quoi le, merde, oh putain, j'ai le nom en tête mais j'arrive pas à le sortir. Pas dans la phrase de team, tu sais, toutes les teams ont une petite phrase en dessous de leur team. Comme la team NV, c'est spread the wings. The wings. On va dire que ça va être le slogan. Voilà, merci, le slogan. Putain, ça, j'ai du mal des fois à sortir mes mots. Oh, sur le bout de la langue là, vous peut-être le voyez pas, mais moi je le vois. Mais ils n'arrivent pas à sortir quoi. Ça va être une boucherie encore. Ça va être une boucherie. Ça va être une charcuterie. Ça va être une cochonnerie. Ça va être un viol parce que ce n'est pas le but, mais ça va être sauvage. Et on est parti sur le deuxième match de ce clan war avec en bas à droite pour la team Laoper. Protoss bleu, Alka. C'est la drogue, ouais c'est la drogue, c'est mauvais la drogue. C'est la mauvaise, la drogue c'est pas bien, vous voyez. Et en haut à gauche en terrain rouge, il s'agit de Maru représentant la team NV. Et comme je disais, Maru il va faire quoi? Une Proxyrax. Oui, j'ai remarqué Loge, j'ai remarqué. Ah non, excusez-moi, non, le Rax est chez lui, j'ai pas vu. J'ai vu le contrôle X. Oh le centre technique bloc. Et on va poser, il veut faire une get expand. D'accord, il fait une get expand notre ami Alka. Il a les roubignoles solides le coco hein. Get expand de la part du petit voilà quoi. Après j'ai envie de vous dire c'est un petit peu le BO normal quoi. On va pas partir sur deux get face à Terran. Hein, voilà, c'est un petit peu con quoi. Un petit peu sorti de l'ordinaire. On a un Marines. Par contre, on a un Marines du côté de chez Maru. Il a pas fait de Reaper en premier. C'est bien un Marines. On est bien sur du Marines first. Et là, on va partir sur quoi ça va être. Oh lol, oh le coquin. Oh Alka, il a décidé d'être méchant. Oh là 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 là.
à fond embêté. Ah, ça c'est bien joué ça. J'ai envie de vous dire, il gagnera pas le BO, mais s'il peut embêter Maru quand même, c'est pas mal, pas mal. C'est pas mal de sa part. Qu'est-ce qu'il va faire là avec son VCS Maru? Il va faire quoi? Il va faire un proxy spatiaux. Ça sent peut-être le proxy spatiaux. Hein. En tout cas, on a un bunker de la part de Maru. On a l'usine en production, la B2 qui est posée, conseil crépus pour notre ami Alka. Et oh, c'est un VCS ça? C'était un VCS. C'est un VCS qui a mouru. Le VCS il a mouru, très bien. Alors, on est sur du marine par deux. Je crois qu'il y a plus de VCS. Donc c'était, un VCS, c'était le VCS à droite là qui est mort devant le, l'adepte. Puisqu'il n'y a plus de VCS qui se trouve à droite maintenant. On n'a plus de VCS. Alors, on a de l'hélion. Ouais, voilà. Très bien. L'hélion en production. Marine par deux. Du côté de chez Alka, on fait sur du, de la charge. On part sur de la charge. Charge avec robot et une deuxième gate. Très bien. Très bien, très bien. On part sur de la charge. Heureux, Sheldon. T'étais parti où, Sheldon? T'as été faire une émission? T'as fait une émission, t'es parti. Spatioport en production et l'ajout de 4 gates même. Enfin 3 puisqu'on avait déjà une. Enfin non, c'est pas. Enfin c'est pas. Non, c'est pas normal que Maru ait décalé sa axe. C'est qu'en fait il avait levé sa axe. J'avais une interview. Il a levé sa axe pour poser son réacteur. Sauf que Alka lui avait sa probe à côté et a décidé de faire un petit pylône sous sa axe. Donc en fait il a été obligé de décaler sa axe, notre ami Maru. Voilà, c'était plus par rapport à ça. Eh ben écoute, j'espère que ton interview sortira très bientôt. Je suis très impatient de la voir. Alors, on a un bunker. Tiens, il nous fait un bunker devant sa, devant son C7B1, notre ami Maru. Je ne sais pas pourquoi il fait. Est-ce qu'il a déjà est-ce qu'il sent qu'il va y avoir un, une petite coquinerie? Tu peux l'avoir avec Jimmy Fallon sur YouTube. Eh ben écoute, nickel. J'irai voir ça. J'irai voir ça après le stream today. Alors, ah, ou le prisme. Ah, et voilà. Comment perdre un prisme bêtement? Ah, pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas suivi? Ah, c'est bête. Ouais, deux adeptes face à beaucoup de Marines. Laisse tomber quoi. Oh, et ils sont mourus. Ils sont mourus. Bah ça y est, il est mort le prisme. Et ouais, il est mort le prisme. MDR. MDR le prisme. Voilà, c'était cool. Merci d'être vendu. Alors, on a un corbeau. Cette fois-ci, pour notre ami. Oh mais il a l'intelligence. Oh mais oh là là. Oh là là. L'intelligence de Maru, quoi. La vision du jeu du Terran. C'est hallucinant ça. Il savait qu'il y avait un obst ici quoi. Il a quand même fait le corbeau. Là, il a cancel le corbeau? Non? Parce que je viens de voir qu'il n'y est plus dans la barre de production. Est-ce que c'est un cancel d'unité? Pas du tout. En tout cas on a une B3 pour Maru. Non il est bien là le corbeau. Il est bien là. Très bien, ok. Alors on a une B3 pour Maru. On a le blink plus la forge plus une deuxième gate plus une. Attends, c'est quoi cette couille? Pourquoi est-ce qu'il y a un Nexus? Ah c'est un Nexus de, B3, de la B3 qui est posé sur la B2. Attends, je me disais pourquoi il y a un Nexus alors qu'il y a une B3, mais j'avais pas. J'avais zappé qu'il avait il avait dû déplacer son Nexus sur sa B3, notre ami Alka. Bête soutien robotique. Deux centres techniques et 4 racks pour Maru. En fait, c'est vrai qu'on a toujours pas le Steam d'ailleurs pour Maru. On a fait max unité, ça en a 35. 35 unités, enfin 35 de pop armé contre 17. On a 54 probes contre 45 VCS. Un petit scan pour voir qu'il y a bien rien du tout. Voilà. On scanne pour voir qu'il y a que dalle du côté de chez Alka. Et on a décidé de faire un petit drop encore avec des zilotes. Et le blink qui s'est terminé. Blink terminé, construction de mines, ça c'est pour les îlots de charge, les mines, ça c'est très très bien pour les îlots de charge ça.
Il y en a du colosse avec la table. Alors, je sais pas s'il l'a vu. Ah, ça, par contre, ça c'est vu ça. Et ça dégage. Merci d'être venu. Allez hop. Oust, oust, oust. Alors, on va avoir. Non, on n'aura pas de. Pas de push de la part de Maru parce qu'il a juste déplacé ses unités. On a pour l'instant un premier colosse. Le steam va se terminer. Et suivi du plus 1 d'attaque et de défense également. Et on a le plus 1 d'attaque du côté de chez Alka qui va se terminer aussi. Voilà. Donc on a 1 d'attaque du côté du Protoss et on va être 1-1 du côté du Terran avec le Steam bien entendu. Au bien incapacitant, pardon, et le bouclier aussi. Et là on vient de prendre un petit Zilot qui se promenait tranquillement. On est sur 70 de pop d'armée pour le Terran, 56 pour Alka. Pas de base supplémentaire. Par contre, il y a une deuxième robot. Alors, il y a une deuxième robot. Soit il part sur double colosse, ce que je doute, parce qu'il a fait la bête soutien robotique. Donc, je pense qu'il va peut-être switcher sur du disrupteur, à mon avis, Alka. Maintenant, je ne connais pas du tout ce joueur. Et pour l'instant, écoutez, la première map, il joue très bien. Il joue très bien. Il fait pas non plus tous les bons moves. Mais il joue pas trop mal. Oula, le Steam. Oh là là, la matrice d'interférence sur les deux colosses. Oh, puis en plus, il va choper tous les îlots, là, notre ami Maru. Et puis après, il va poser les. On va poser ses roubignoles de tank directement à la face du Protoss. Voilà, c'est fait. Et on partait sur du disrupteur. Et là, on vient de prendre déjà une robot. Il reste les deux tanks. Malgré qu'ils ont la thermolance, les deux tanks, je suis pas sûr qu'ils vont taper les. Les deux colosses qui ont la thermolance et pas les deux tanks. Voilà. Mais là, 74 de pop armé pour Maru. 26. Pour notre ami Alka, je suis pas sûr qu'il va s'en sortir. Et en plus, on a les renforts de la part de Maru. Très très bien joué. Maru, c'est un monstre. Maru, c'est Godzilla. C'est Gojira. Et voilà. Allez, on va poser les mines. Alors, les mines sont. Il y a une mine, hein. Ouais, il y a juste une mine derrière. Voilà. GG de la part de Alka. 1 à 0. Héritier de MKP. Héritier de MVP, héritier de tous les Terran qui étaient en M. Héritier de Boxer également. Mais c'était pas un joueur qui était en M. 1 à 0 pour Maru dans ce TVP. Totalement à l'avantage de Maru, bien entendu. Appelle-le Boxer. Appelle-le Boxer. Moxer. En bas à gauche de la droite de la map, il s'agit du Terran bleu Moxer. N'empêche, ça sonne bien comme pseudo ça. Moxer. Pas Boxer, c'est Moxer. J'aime bien ça. J'aime bien. Ça sonne drôlement bien, dis donc. Et on va partir sur Aura de mort pour la deuxième map. Merci. De rien, Sheldon, t'as toujours de très bonnes idées. On va partir sur Aura de mort. Donc, pareillement entre Wanted et SOS, deuxième map sera Aura de mort. Voilà. Alors, je sais que la première map est décidée à l'avance, puisque j'ai vu hier sur l'Equipédia que ça voulait dire, il y avait déjà les maps qui étaient les maps, premières maps de chaque BO2 avaient été mis en place. Mais la deuxième map, je pense que c'est l'avantage du perdant comme dans tout tournoi. Hey, GDA ça veut pas dire gladiateur de l'apocalypse. Alors petite anecdote pardon par rapport au nom de la team GDA au tout début à sa création. GDA, donc en 2011, GDA voulait dire guerrier de l'apocalypse. Sauf que quand on a eu au fur et à mesure des années, on a eu des joueurs étrangers et que
nos joueurs ont été streamés par des streams donc étrangers, c'était assez dur de leur faire comprendre que GDA voulait dire guerrier de l'apocalypse. Parce qu'en anglais, guerrier veut dire warrior, donc ça fait warrior of apocalypse ou apocalypse warrior. Voilà, l'un dans l'autre, ça, voilà. Et notre ami Alpaca qui est en train de nous faire un petit cheese, hein, pour voilà. Ça commence déjà bien la deuxième game. La deuxième game. Donc, quand l'an dernier, j'ai relancé la structure en juillet, parce qu'il y a eu une petite pause de 5 ans, j'ai décidé de, pour les anglophones, de changer le nom et donc effectivement de dire que ça s'appelle Gladiateur de l'Apocalypse, donc en anglais Gladiator of Apocalypse. Voilà, ce qui est plus simple pour nos amis anglophones. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses drones là, notre ami, avec ses VCS, notre ami Maru là, il est un petit peu perdu. Ouh, GG. Alors ça, le kit de probe, c'est GG. Par contre, on aura la vision. On aura de la vision. Donc voilà, donc GDA veut effectivement dire maintenant, veut dire Gladiator de l'Apocalypse. Pour revenir à ce que tu disais, Sheldon. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors, est-ce que. Alors, on produit toujours du Marines? Ouais, parce qu'on n'est pas supply block. On peut produire un troisième Marines. Ou le VCS. Oh, le VCS. Est-ce qu'on va aller repair là? Ouais, on va aller repair. Et hop là. Ah, attention. Ça tient. Et pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il fait là. Il produit un zilote. Là on a les allez, bien joué les Ils sont bien positionnés les Marines. Je me souviens de votre clan War. Oh, c'est fort possible, écoute, on a fait beaucoup de clan war entre 2011-2014, la première session entre guillemets, on peut dire c'est une session, la première activité, voilà. Ça aurait été bien d'avoir mis du Marines dans le bunker. Ah voilà. Oh, je pense que c'est GG pour Maru, hein. Je vois pas comment est-ce que notre ami Alka peut partir. Et on a fait beaucoup de Pandoria. Voilà, la fameuse Pandoria sur StarCraft qui était magnifique à l'époque. On a fait toutes les divisions, on est parti du plus bas, de la division 6, juste à monter à la division 1. Et on a fait beaucoup. Il nous fait quoi? Une Stargate maintenant? Po. Oh là 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 là, on a même un tank qui arrive de la part de Maru. Les carottes sont cuites de la part de pour Alka, je pense pas. Voilà, déjà un clat, allez, le temps qu'il va se positionner, il est pas à portée de tir des photons. Voilà, là le zilote il va mourir, voilà. Il est mort comme une merde le zilote. Et là maintenant on a l'avantage aérien, on a la vision, attention. Oh là là. Enfin, qu'il arrive à choper la probe là dans le. Mais bon. Alors on a commencé à produire, on va commencer à produire un void de la part de notre ami Alka, mais on a déjà un cyclone en production. Je pense même qu'on va produire un viking, voilà d'ailleurs c'est fait. Alors, hop là, on va taper, le cyclone n'est pas encore sorti. Ça y est, le cyclone est sorti. Ah, ça bon. Lol, MDR. Alors ce qui est marrant c'est qu'en fait les batteries de bouclier sont en train de heal le photon. Donc en fait elles utilisent leur mana pour le photon. Sauf que quand les Void Rays vont arriver pour taper le tank ou autre, ils auront perdu, il y aura plus de quoi les de heal. Donc c'est assez marrant ça. Et voilà. Allez hop, on va taper la gate, voilà, on a plus de production de gate. On a toujours le tank qui est là pour défendre. On a deux cyclones, un viking, on continue la production de Marines. On déplace le tank, il va taper quoi le tank? Il est en train de taper, batterie de bouclier, c'est très très bien de la part de Maru ça. On avance petit à petit, voilà, on recule, on avance, on recule, et vas-y que je bip. Ne disons pas les mots, s'il vous plaît, mais bon.
ça permet. Il a toujours l'avantage, hein. Bon, on a un drone, un récolteur de plus. Enlève ton pull. Voilà, enlève ton pull. D'ailleurs, je l'enlèverai après. Non, je rigole. J'ai pas envie de faire des jaloux sur le stream parce que voilà. Coach. Voilà. Hein. C'est fini. Et eh ben attends, j'ai bientôt fini la partie et après je te changerai de DVD, d'accord? Choisis ton autre DVD. Et là, on a quoi là? On a un tank. Attends, la balise de la flotte. Et il tente le cheese à fond, notre ami. Et là, on va te choper un pylône. C'est le carré là, le carré pour éteindre. On a toujours du tank. On va avoir le McFeed, l'amélioration des cyclones qui va bientôt se terminer. On est sur du cyclone Viking, hein, qui est de toute façon le contre pour le Void là pour sortir le DVD. Ça permet de. Est-ce qu'il peut taper là? Il peut taper. Avec le tank, ça, dommage. Ah si? Ah non. Je crois qu'il peut, il peut taper avec le tank là, non? Il a la vision ou pas? Bah non, t'as dit que tu voulais changer de DVD. Là où t'as appuyé pour ouvrir. Alors, on a tapé la Stargate. On a plus. Oh bah il est parti sur un. Oh, il va partir sur du DT maintenant. MDR quoi. MDR. Il a décidé de cheeser en mode je cheese à donf. C'est pas un pylône. Oh l'arthosis pylône. MDR quoi. Oh mon dieu. Oh mais c'est du n'importe quoi là. C'est du n'importe quoi. La panoplie fromagère. Ah bah là c'est le Cantal, l'Emmental, le Cheddar. Le Saint-Albret, le Camembert, là c'est tout là. Là c'était tout là. De la part de Alka. Oh là, je crois qu'il a une B2 en plus, si je dis pas de bêtises. Non, il a pas encore de B2. Il a pas de B2 positionné. Ouais, il y a tellement de Vikings là. Allez, GG. Parce que la boîte elle était cassée, bébé. Ah, ça c'est le. Allez, le GG. La boîte elle est cassée, c'est pas grave, fais attention à pas à la pas tomber le DVD. Bon bah c'est un jeu. Bon, allez, quitte s'il te plaît, Alka. Allez, deux de pop armé, faut quitter la game là. Tu vas produire quoi? Un DT? À l'arrière, DT le blink. Ah non, c'est pas celle-ci, pépé. Non, attends, c'est fun. Voilà. Ah bah en plus il a chopé le pylône. Voilà, tiens. Il a chopé le pylône, MDR. Il lance le. Ouais non mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il lançait le blink. C'est n'importe quoi. Allez hop, le scan. Allez, GG, quitte. S'il te plaît. GG. Oh mon dieu. Oh, entre Wanted qui veut faire du muta sur la deuxième game qui se bourrine le crâne à vouloir faire du muta, et là t'as la deuxième game de. Il veut fatiguer Maru. Je sais pas pourquoi il voudrait fatiguer Maru, c'est pas comme s'ils allaient partir sur un S match non plus. Allez, canapé Chloé. C'est pas comme s'ils allaient partir sur un S match non plus, la team là au pair. Non mais là, quoi. MDR. Bon bah 4-0, voilà. Victoire de la team NV. Victoire de la team NV sur la team Laoper. Le match entre Percival et Jeshi sera quand même joué, puisque malgré le fait que le score est en faveur de la team NV, le clan war est joué jusqu'à la fin, parce qu'en fait il y a le goal average des maps qui est en faveur ou en défaveur des équipes. Et donc là, le match Jeshi-Percival sera joué. Aucun respect, c'est. Ah, mais de toute façon, les Protoss n'ont aucun respect pour nous, Terran. Voilà, je le dis clairement. Les Protoss n'ont aucun respect pour nous, les Terran. Et c'est bien dommage d'ailleurs de ça. On voit que notre ami Alka, qui d'ailleurs commence la game en faisant un cheese avec un photon rush. Ensuite, nous part sur la Stargate. Puis,
balise de la flotte parce que monsieur voulait faire du tempeste. Bah tiens, on va tempester Maru, tiens, on a que ça à faire de tempester Maru. Et oh, il est joli Percival avec ses longs cheveux. On dirait comment elle s'appelle la chanteuse Céline Dion. N'importe quoi. On dirait Céline Dion. Ah, oh, je suis méchant. Et ils en sont fiers. On dirait mon cousin, j'en peux plus. Et Jéchi, il y croit là dans sa photo. Jéchi, il y croit là. Et pas j'ai chié. Attention, pas j'ai chié, mais Jéchi. Voilà, Jéchi. Parce que j'ai chié, c'est quand je vais aux toilettes. Hein, ne pas confondre deux choses différentes, les gars. Attention, attention. Mais voilà, donc effectivement, donc je revenais à Altia face à Maru. Et après, Altia qui dit, tiens, j'ai plus de bâtiment. Je vais faire un pâte à dété. Voilà, j'ai envie de faire un pâte à dété parce que je me dis que j'ai chisé. Bah, je vais chiser jusqu'à la fin, quoi. Je vais chiser tous les BO en Protoss face à Terragne. Voilà. Ah là 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 là, sacré Protoss, enfin sacré Protoss. Et là on est sur un, on est encore sur un TVP hein. On est encore sur un TVP, Percival face à Jéchi. On est encore sur un TVP. Et je vous rappelle qu'après on aura la team Exeon face à la team Africafrix. On aura peut-être un peu plus d'égalité au niveau du clan War. Et le clan War, alors ce clan War là va être aussi rapide que le clan War entre la team Invictus Gaming et Good Game Gaming d'hier. Parce que là on est sur 50 minutes à peu près, parce que j'ai pris le live officiel à lancer à 13h, mais tant que la game se lance et tout, c'était à peu près 13h05. Donc là il est 13h54. On est à peu près sur du... On dirait mon cousin, ta phrase est Mathieu m'a dit. J'aimerais bien voir une photo de ton cousin justement pour faire la comparaison. Oh mon dieu quoi. J'ai envie de te dire, franchement, j'ai envie de te dire, envoie-moi une photo de ton cousin en PV pour voir en fait, juste pour me foutre de la gueule du mec. Allez, on est parti sur le troisième match de ce premier clan war de la journée, avec en haut à gauche en Protoss bleu pour la team là au père, il s'agit de Jéchi. Je respecte la famille quand même. Oh bof, tu respectes la famille, t'as quand même comparé ton cousin à une Percival. Donc j'ai envie de te dire, le respect, on l'a oublié là. Hein. Et en bas à droite, pour la team NV, en terrain de rouge, il s'agit de Percival. Et d'ailleurs, Percival n'a pas de caméra. N'a pas de caméra. On a décidé de mettre sa photo de profil. Donc le cousin de Sheldon Cooper. C'est le cousin de Sheldon qui est présent dans le canal, dans le chat avec nous. Merci Sheldon de nous avoir fourni la photo de ton cousin. Donc on a une gate en contrebas de la part de Jéchi. On est parti sur une gate, sur un wall de B2 du côté de Percival. On a Sarax qui est à la maison, tranquille, pépère, voilà. Rax décalé. Et là vous me direz, pourquoi est-ce que le Terran il décale sa Rax ici? Et bah je vous dirai parce que, tout simplement. Je vous dirai parce que, voilà, c'est tout. Vous n'en saurez pas plus, voilà. Vous n'en saurez pas plus. Non, c'est pas l'heure de goûter, là-bas. On ira goûter chez mamie, je te signale en plus. Oui, on ira goûter chez mamie. Nexus de la part de Jéchi avec le Cybernetic Core bien entendu, le Reaper et la B2 pour Percival. Et puis c'est tout pour l'instant. Alors pourquoi il y a le... Qu'est-ce qu'il fait avec son deuxième VCS? Ah il rit pas. Ah ok, je crois qu'il est en train d'attaquer son VCS Percival là. Je me suis dit attends, il fait quoi là? Donc on est sur un Reaper, tranquille pépère. Voilà, on envoie son Reaper de l'autre côté de la map. La posture pour jouer de Percival est encore plus étrange que celle de SOS. T'es au courant que c'est une photo, hein? T'es au courant que c'est le cousin à Sheldon? Et là, la probe qui a malheureusement n'a rien fait du tout. N'a rien fait du tout. Je meurs.
Arrête, moi aussi. Arrête, moi aussi. Ah là là, bon allez, le Reaper, il y a l'adepte ici. Est-ce que le... Ouais, il est fini. Oh, joli. Oh, en plus, la mine qui ramène le... Qui a ramené le... L'adepte du côté du bouncher, ce qui est bien joué. Alors, est-ce qu'on va... Non, on a la shade, elle est fermée. On a la robot, puis le... Enfin, plus le conseil crépu, côté Jeshi. Oh, ça rentre. Oh, c'est rentré. Oh, maman, c'est rentré. Allez, on va tenter de... On va peut-être prendre des VCS. J'adore l'auge, j'approuve. Est-ce qu'on va coincer l'adepte? Non, on va pas coincer l'adepte. On a pris un VC. Oh, il est mort. Oh, c'est le VCS qui l'a tué. MDR, quoi. Oh, ça commence déjà mal pour Jeshi, quoi. Qui vient de perdre son adepte, quoi. Ah oh, là 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 là. Et ce Reaper, il a fait un kill pour l'instant. Je crois qu'il a vu hein, ce qui se passait en haut. Hein. J'ai pas fait gaffe à la vision de... Ouais. Une probe et un adepte. Ouais, c'est vu, ouais. C'est vu par ce Reaper qui vient encore faire du dégât. Oh là là, quelle technicité! Et quand on est Percival et que dans sa team on a Maru, eh ben on lui demande tout simplement des conseils. Bon, je pense qu'à mon avis, il a dû faire beaucoup de custom games tous les deux pour savoir comment jouer face à Protoss avec SOS dans leur team en plus, surtout avoir SOS dans sa team. Tu as SOS. Tu as Maru, tu fais des custom games quoi. Tu fais des custom games obligés. Et on a un Medivac et un Cyclone. La mine ici, on voit même la mine hein. La mine qui est bien placée. Les mines sont bien placées pour les drops de prisme. Et qu'est-ce qu'il nous fait avec son Medivac? Ah, il cherche. Ah, il va essayer de choper le... Ah, il cherche le prisme. Quelle mesure de ce malade de dire cela. Voilà, oh là, oh là, oh mon dieu. Oh, pff, oh mon dieu. Voilà, c'est ce que je disais. Quand on est Percival et quand on a Maru, on demande ça. On demande des conseils de placement de mine. Céline Dion, parce que quelqu'un a des cheveux longs. Non, c'était pas... En fait, j'avais l'image de Céline Dion en tête. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Je suis sincèrement désolé. Mais Céline Dion, les cheveux lâchés, on dirait Percival. Voilà, mais après on m'a dit que c'était le cousin à Sheldon Cooper. donc en fait Céline Dion a été effacée et on est resté sur le cousin de Sheldon Cooper. Voilà. Là en fait, d'ailleurs en fait, c'est même pas le cousin en fait, parce que si tu fais attention, le frère de Sheldon Cooper dans la série, il a les cheveux longs. Il est joué d'ailleurs par merde. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il a fait la série Sliders. Jerry O'Connell. Et le gars, il a les cheveux longs dans la série Big Bang Theory. Et il ressemble à Percival. Donc en fait, c'est pas ton cousin, c'est ton frère en fait. Donc là, on est parti sur du Blink. Avec notre ami Jeshi qui a aussi lancé la thermolance et production de colosse. Alors par contre là le prisme il va se faire target. Voilà, merci d'être venu le prisme. Ça va être le deuxième. Hein. Je sais pas s'il va le choper là. Non, il va pas le choper. Il va pas aller le chercher avec son Viking. Mais ça va faire mal. Il y a deux mines dans ces petits Medivac. Et là on a beaucoup d'unités pour Percival hein. 54 probes 54 pardon 56 d'unités contre 32 pour Jeshi. On est sur du 58 VCS à 60 probes et on a beaucoup je pense que Percival a vraiment le gameplay, pas le tout de Maru, mais je pense qu'il a copié certaines façons de faire, comme la production d'unités constante. Là, c'est ce qu'il a en tout moment. Là, il va perdre des VCS. Il y a un tank pour défendre. C'est pas non plus. Mais il y a une mine. La mine ne tapera pas la mine.
est-ce qu'on n'est pas parti oulala, par contre il vient de perdre 10 VCS quand même hein. Il vient de perdre 10 VCS le pauvre. Mais d'ailleurs on reproduit hein. On reproduit toujours. Polapos 2B3 est là. On a un double Medivac drop qui va s'effectuer dans la main. Voilà. D'ailleurs c'est même pas vu puisque ah, je crois que là c'est vu. Mais il y aura déjà. Voilà, on va déjà dropper. Allez, drop, drop, voilà. On tape la battle bouclée, bien entendu, parce que c'est ce qu'il faut taper en premier. Et là, on se met dans la ligne. Oh, c'est bien ça, on se bloque le zilote dans la ligne de minerai. Hop là. Et on fait du dégât. 3 propres de prix. La sentry, c'est très très bien joué de la part de Percival. C'est très très bien, même s'il y a déjà, il y a déjà deux colosses. De l'autre côté, là ici les mines n'ont rien fait. Je crois que c'est un F2 ça. Il me semble que c'est un F2 ça. Ouais. Allez, on va dropper les mines. Allez, faut dropper, faut faire du dégât. Il n'y a pas de batterie de bouclier. Il y a pas de batterie de bouclier. Est-ce que les mines vont taper? Oui. Oh là là. Bien joué ça. Très très bien joué. 8 props sont tombés. Voilà, maintenant on repasse devant en termes de récolteur de la part de Percival. 64, 67 VCS à 50. On a 70 de pop armé à 66. On a le plus 1 d'attaque. On voit le plus 1 défense vient d'être lancé du côté de chez Jeshi. Je vois que le plus 1 défense est lancé. Je sais, il a le plus 1 d'attaque aussi. Il a le plus 1 d'attaque aussi. La mine ici enterrée n'a rien fait. Puisqu'elle a été vue, donc elle n'a rien fait. Là, on a un petit run by de Zilot. On va perdre encore du VCS. 12 VCS. 13. Douze VCS sont tombés. Alors, on est surtout toujours sur la production de Colosse. On a une base numéro 4 pour Jeshi en haut à midi. Et du côté de chez Percival, on fait également... c'est quoi ça? C'est des mines? Ouais, 4 mines dans ce Medivac. Ça peut faire du dégât. Hein. Si c'est pas vu ça, ça peut faire du dégât. Oula, il y a beaucoup de maraudeurs là. Il y a beaucoup de maraudeurs. Allez, là. Hop là, les zilotes. Ah dommage, on aurait pu choper les deux zilotes. Les... Voilà, oh mon dieu. Oh les mines. Ah si elles sont enterrées, est-ce que ça peut faire des dégâts? Hop. Oh oh lol. Oh lol. Oh la mine qui a target les... Oh là là. Comment c'était bien joué de la part de Percival une deuxième fois. 13 props tombés. Ça fait beaucoup de props déjà tombés depuis le début de la game. Hein. Et ces drops de mines sont... très très bien joué. Par contre faut faire attention là. Ouais, ce serait choper peut-être les zilotes. Voilà, très bien joué. On est 1-1 des deux côtés. Et là, oulala. Oh bah là, si tu chopes les trois colosses, oh là là. S'il va choper un, il va choper un deuxième. Très bien joué. Et maintenant il y a les Vikings qui sont là pour défendre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cette ribambelle de maraudeur. Ah les Vikings. Ah dommage. Ah puis derrière, ah, il a perdu des VCS. Ah là 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 là. Le run by qui fait du dégât. Le run by qui fait du dégât. Il a quand même perdu 3 colosses. Hein. Il a perdu. Ouais, il a perdu 3 colosses. 27 probes. Et d'ailleurs, là, j'ai pas fait gaffe combien on avait de VCS tués. Combien on avait de VCS tués. J'ai pas fait attention. Mais il y a beaucoup de. On a les EMP qui sont en production, on a du cost donc par 3 qui vont être produits. Ça va faire du dégât. Et là encore une fois, de toute façon il a voilà. Coucou, il n'y a pas de sentry par contre, il n'y a pas de sentry. Un colosse déjà de tomber. Plus de vikings. Plus de vikings de la part de notre ami Percival qui vient de lancer son 2-2 ainsi que le 1 d'attaque aérien. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il a lancé son 1 d'attaque sachant qu'il ne fait plus de viking. Il n'y a pas de libé non plus. Voilà, je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Je sais pas du tout. Alors est-ce que le prisme va faire du dégât? Oh la tourelle et le prisme. Ah il est tombé. 3 VCS pour l'instant sont tués. Est-ce qu'on va essayer de choper? Ah là, faut choper là. Ouais voilà, faut choper.
Allez là. Voilà, très très bien. 6 VCS tués. 6 VCS tués, ce n'est pas énorme puisque on a toujours l'avantage économique de la part de Percival. 76 VCS contre 63 probes. Toujours devant en termes aussi au niveau de l'armée. Hein. Toujours devant au niveau de l'armée. On va avoir son 2-2. Et du côté de chez Jeshi, on a lancé son 3 d'attaque. Oh, elle est pas cancel la B5. Ah, il vient de perdre 400 de minerais là. Oh là là. Ah bah là, il va mourir le colosse. Et bah voilà. Colosse décédé. Est-ce que ce double front ne va pas faire gagner la game à Percival? Oh, les EMP sur les îlots. Très très bien joué. Deuxième EMP sur les archons. On vient de choper tous les archons. D'ailleurs, il n'y a plus d'archons d'ailleurs. Plus d'archons. Attendez, est-ce que Percival va pas tenter un sandwich thon mayonnaise? Parce qu'il a ramené ses preuves, ses unités derrière. Oh oui, oh, il le tente. Oh, il le tente. Le thon mayonnaise à la façon TVP. On chope tous les colosses. Voilà. Ah, plus de colosses. GG. Bravo. Plus de colosses. Et maintenant, on peut s'attaquer au Nexus. Derrière, il y a encore des îlots. Mais bon. Est-ce que ça va faire quand même avec le hit and run de Percival? En plus, on a des gosses qui viennent s'additionner. Joli EMP pardon, dans les stalkers. Plus de colosses. Par contre, il continue la production de colosses. Hein. Jeshi, je pense qu'il a peut-être pas compris que c'était inutile. C'était inutile. Et le GG de Jeshi, ça nous fait 5-0 pour la team NV. 1-0 pour Percival. C'est très très bien joué en tout cas pour l'instant Percival, franchement Colosse est moins fort quand ils sont morts. Ouais, bah, c'est un peu le slogan hein. C'est un peu le slogan de Percival hein. Percival il fait Colo et eh bah, c'est moins fort quand c'est mort, voilà. Mais en tout cas c'est franchement là Percival il me surprend en termes de niveau de jeu. Je le connaissais pas aussi bon que ça. Et franchement, être dans la team de Maru, SOS et consorts, ça montre que son niveau de jeu a. Non, la photo de profil. Oh mon dieu, la photo de profil. Arrêtez, s'il vous plaît. J'enverrai un message à la team NV sur Instagram. Leur demander de mettre une autre photo à Percival parce que c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Et on est parti sur Aura de Mort. Donc en fait, Aura de Mort, c'est la deuxième map pour tout le monde quoi. C'est la deuxième map pour tout le monde. Hein. Ils ont décidé de mettre Aura de Mort pour tout le monde. Non. M. Voilà. Très bien. Bravo, très bien. En haut à gauche, en Protoss bleu, pour la team Laoper, il s'agit de Jeshi, Protoss bleu. Et en bas à droite, pour la team NV, tentant de faire le 6-0, il s'agit de Percival. Le cousin de Sheldon. Je vais le présenter comme ça maintenant. Le cousin de Sheldon. Alors, on a fait un gaz. Gaz first de la part de Percival. Et il a posé sa axe dans sa maison. Donc, il n'y aura pas de proxy axe de la part de Jeshi. De Percival, pardon. Je regardais le pseudo du gaz, c'est pour ça. Pas de Proxyrax. Voilà. Et on a envoyé son VCS scouté. Ou à moins qu'il va faire une deuxième axe peut-être. Non. Ah, quoique. Est-ce qu'on est parti sur une deuxième axe proxy? Non. Pas de deuxième axe. Non. Du tout. Il va tenter de faire un. Ouais. Oh, il l'a fait à la Maru. Le coquin, il nous fait son Maru. Il nous fait son Maru. C'est trop bien joué quoi. Et il sort les propres. Oh,
Quelle stupidité de la part de Géchi. Il sait très bien qu'il va la, il va le cancel le centre technique. Pourquoi est-ce que t'as sorti 5 probes, 6 probes? Là, c'est de la perte de temps de minage, quoi. Ah là 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 là. Je sais pas, je... Enfin, pour moi, j'aurais pas senti, j'aurais laissé le centre technique. Au pire, tu fais un zilote. Il y avait le zilote qui sortait. Voilà. Mais bon, on a déjà, voilà, on a déjà le réacteur pour sa Rax. On a déjà l'usine du côté de chez Percival. Il va y avoir un switch, hein, un switch caserne usine. On va partir sur les lions par deux. Et je pense même qu'il y aura, quatre lions. Et ensuite, ça va partir sur du. Sur un drop et lion, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit bunker, non? Ouais, il va partir sur, non, il va partir sur une un CC dans sa base du côté de ah le stalker qui scoute quelque chose. Oh là 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 là. On a la Stargate, hein, du côté de chez Géchi. Est-ce qu'il va... Oh, Géchi, le Stalker. Oh, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Là, je pense qu'il veut dire, on a découvert qu'il y avait un proxy, on va perdre la game. Je pense que c'est ce que ça veut dire, la phrase qui nous a sorti, là, le Stalker en chinois. Et on a du Phoenix produit. Alors, est-ce que le Medivac va toujours va quand même sortir? Je pense que oui. Hein. Ouais, le Medivac qui va sortir. Et là, on a deux petits Stalkers. Est-ce qu'il est où le Medivac? Il est là. Hein. Ouais, allez hop. Allez, on boost. On chrono boost. Oui, allez. On s'en bat les roubignoles. On va drop les Zélions. Voilà, la batterie de bouclier qui n'est pas terminée. Oh là là. Et voilà, déjà 5 probes, 7 probes. Et les 4 élions sont toujours en vie. Hein. Les 4 élions sont. Oh là là. Il a nettoyé la B1. Il a nettoyé la B1. 16 probes. Et encore 2 élions en vie. Il y a encore 2 élions. Oh là 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 là. Oh mon dieu, mais s'il vous plaît. Mais faites qu'il quitte la game. Non, je rigole. Et voilà, 16 probes tués, 17 probes tués quoi. 17 probes tués pour seulement 4 élions, un Medivac et un VCS tué quoi. 17 probes tués. Et on a beaucoup de marines, hein. On a Marine Cyclone. On va choper du Phoenix. On a combien déjà? 3 Phoenix si je dis pas de bêtises, non? On a 2 Phoenix. 2 Phoenix simplement. De Phoenix, Merlef, qu'est-ce qu'il y a? On a du Cyclone, on a du Viking aussi. Ça va faire du... On va faire du dégât. Et là, je suis même pas sûr que les trois... Ouais, voilà, quoi. Allez, coucou. Voilà, allez, hop. Allez, un Stalker pris. Le deuxième qui va crever. Et là, on a... Voilà, du Marine pour défendre. Tu. Steam envoyé. Il est obligé de drop. Il refait de la production de probes. Il fait que de la. Il fait de la probe. Voilà. Il fait probe. Notre ami Géchi. Il peut pas faire autre chose. Hein. 3 VCS qui ont été pris. Et là on a un petit push de la part de Percival qui est à 29 d'armée contre 13 d'armée. Est-ce qu'il y a un bouclier? Je sais pas s'il y a une batterie de bouclier, hein, devant la B2. Hein. Je suis pas sûr à 100%. Hein. Non, elle est en construction la batterie de bouclier. Oh là 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 là. Ah si, il y avait une première, mais bon, là tu prends le pylône, c'est GG quoi. Voilà, allez hop. Merci d'être venu, au revoir. 6-0 pour la team NV. Et bah voilà. Voilà, il a duré une heure le clan War. Et bah c'était beau. GG pour la team NV qui remporte donc ce clan War. 6-0.
un sans faute. Je pensais que le match entre Percival et G6 était quand même assez équilibré, mais on voit qu'au final Percival était largement devant. Largement devant. Écoutez, moi je vais me faire une petite pub. Une petite pause pub, pardon, parce qu'une petite pub pause ça marche pas. Enfin une petite pause. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième clan war entre la team Exeon et Africa Freaks. Donc restez bien connectés et je vous dis à tout de suite.房间里挤满了大家伙。随着科技的进步，曾经很大的电器，如今变得越来越小，越来越薄。生活的乐趣变得越来越大，唯独热水器还是没有变化。现在是时候让新一代小体积热水器问世了。而这一革命性的改变仅用了30年。万家乐小体积热水器比一张 A3 纸还小，科技向小，生活向大。
Et de retour pour ce deuxième clan war de ce samedi 3 avril, week-end de Pâques, et on est sur un team Exeon contre la team Africa Frix. Max Pax Armani sera le premier match de ce clan war, un petit PVZ pour commencer. Et on a Max Pax qui est le second cousin de Shelton. Il lui ressemble un petit peu, je trouve, quand même. Il lui ressemble un petit peu. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. On a la même tête que le gars. Mais je trouve ça un peu dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas les photos des joueurs. Moi, je sais pas à quoi il ressemble, Max Pax, d'ailleurs. C'est un peu dommage, quoi. Et là c'est pareil, on va voir la caméra Max Pax, il va ressembler à rien du tout. Peut-être parce qu'il est mineur. Ouais, bah je pense d'ailleurs, en fait, effectivement, la semaine dernière, j'y réfléchissais, mais je crois qu'il a que 15 ans, Max Pax, si je dis pas de bêtises. 15-16 ans. Donc je pense que c'est peut-être pas, effectivement, par rapport à ça, que ses parents ne veulent pas qu'il mette la photo encore. Voir que lui n'a pas l'autorisation de mettre la photo. Parce que je sais que pour participer aux compétitions et tout, il faut avoir 18 ans. Non, 16 ans. Ouais, c'est ça. Il a quel âge, notre ami Max Pax? C'est pas ça que je veux faire. Il a quel âge? 16 ans. Il a 16 ans. Il a 16 ans et donc il a le droit de. Bah, il a le droit de mettre sa photo alors. Petit Maxounet. Le petit Maxounet. Parce que même sur sa photo. Il a 16 ans, ouais. Il a 16 ans. Et il a le droit de participer alors ou pas? Il a le droit de participer. Hein. Il a commencé à jouer à l'âge de 8 ans. Ça veut dire qu'il y a 8 ans, il jouait à StarCraft. Donc comme moi, ma fille, elle a 5 ans. Donc dans 3 ans, si StarCraft est toujours d'actualité, bah je la fais jouer à StarCraft dans 3 ans, ma fille. Je lui apprends à jouer au jeu. Elle sera la prochaine Madlisk. Bon. Où est-ce qu'on en est de cette première map, la première game? On va partir sur Pilier d'Or dans ce bon PVZ. Max Pax, moi je le connais pour ses cheese. Alors est-ce qu'il va nous faire pareil face à Ramani? Après derrière on est parti. Je me rappelle plus du tout c'est quoi les matchs qu'il y a à suivre après les face à face. Je sais qu'il y a. Là, on est sur du. Après, à suivre, on a un Nina Trap et un Special Stats. Donc, on a quand même deux. Le Special Stats va avoir son détour. Après, le Nina Trap, je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Mais le Special Stats, ça pourrait être intéressant à voir. Et n'oubliez pas, hein, demain on se retrouve pareil à 13h et demain on aura du lourd. On aura du très lourd. On aura la team GP face à la team Alpha X. Natural contre Ragnarok. Prince contre Nice. Ryung face à Jun. Et ensuite on aura la team Dragon Phoenix Gaming face à Team Liquid. On aura un Rogue Clem Dark face à Arstem. Et Cure face à Kelazur. Ça va être intéressant à voir ce petit clan war qui terminera donc le week-end numéro 2. Non, je suis occupé là. Après, d'accord ? Alors, ils ont pas un petit peu du mal à lancer
à lancer le deuxième clan war, les cocos là. Ils ont un peu du mal. Non, je reviens deux petites secondes. Hop, excusez-moi pour ce petit interlude de pause. Allez, en haut à droite, en Zerg rouge, Armani pour la team Africa Freaks. Et en bas à gauche, pour la team Exeon, le petit joueur danois Max Pax qui nous a fait une gate. Par contre, j'ai vraiment pas de son. Je trouve qu'il est vraiment bas leur son. Je sais pas vous. Pourtant, le clean feed il est à fond. Je ne sais pas. Alors on a une gate expand pour Max Pax. Donc on n'aura pas de cheese, tiens. Bizarre. On n'a pas envie de cheese aujourd'hui Max Pax. Et on a Armani, lui, qui est parti sur une hatch first suivi de gaz. Enfin suivi de la poule et du gaz, pardon. Et on a un zilot. Un zilot. Oui, il nous fait un zilot. Ah, parce qu'il a vu qu'il y avait la hatch first, c'est ça? Bon, j'ai pas compris pourquoi il fait un zilot. Il fait un deuxième zilot. Il est bizarre ce joueur. Mais il est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait du zilot? Parce que le zilot, le temps qu'il est à l'autre côté de la map, enfin, il va rien faire quoi. Bizarre. Bizarre. Adepte. Il va aller taper la B3. D'accord, ok. Très bien. Il y a un deuxième zilote qui est là, qui va arriver aussi. Et on a 6 arguments en production, les deux queens. On va avoir les 100 de gaz et de minerai. On va pouvoir lancer le petit speedling. Et l'adepte, il est où l'adepte? Il va arriver l'adepte? Dans sa défense, ouais, bah sûr, les 4 Zerglings pour 2 Zilotes, c'est les Zilotes Yann quoi. Et l'adepte qui va arriver tranquillement, pépère.
Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a même une queen qui se déplace. Ouais, il y a une queen qui se déplace tout doucement. Voilà. Elle va tomber la B. Non, elle va pas tomber la B3. Elle va tenir la B3. On essaie de se rendre l'adepte. Oh là là, cette défense de Armani. On va prendre un zilote. Non, oh, on prend pas de zilote. On va prendre l'adepte. Ah, si, on a pris un adepte. Un adepte est mouru. Un adepte est mort de la pour et un zilote. Adepte et zilote sont morts. Et même un deuxième zilote. Il reste plus que l'adepte de la part de Max Pax qui essaye de choper des drones. Mais ce sera pas 10 Zerglings tombés pour 2 zilotes et un adepte. C'est pas mal ça. Plus un. Comment ça s'appelle le truc qui vole? Un overlord. Je cherchais le nom. Plus un over. Alors, pas de Stargate, mais on a un conseil crépu et une robot plus de Jadiet supplémentaire. Alors, on va partir probablement sur de l'adepte de la glaive de résonance. Voilà. Oh là là, je suis un génie quoi. Je suis un génie. Oula, il fait quoi son adepte là? Attention, attention, du côté de Charmani, pour l'instant, 535 drones. On reste sur du dronage, de la queen, de l'over. Et puis bâtiment à cafard, tiens. Allez, on a décidé de lancer son bâtiment à cafard. Voilà. Et on a même lancé un petit heal sur la hatch parce qu'on sait jamais hein, au cas où cette hatch va tomber. On a déjà un petit push qui va arriver avec quelques adeptes de la part de Max Pax, mais il y a quand même beaucoup de Zerglings ici pour défendre. Il n'y a que 4 adeptes. Voilà, 4 adeptes. Voilà. Attention. 5 adeptes, puisque moi je sais plus compter. 5 adeptes. Et le surround. L'encerclement des adeptes qui peuvent plus shade, qui peuvent pas shade. Et voilà. Bah voilà, bah 1-0, je l'annonce. C'est marrant, il y a un petit lag. Je sais pas si c'est dans la game. Mais il y a quand même un petit truc qui lag. Allez, on a fait un petit aiguillon rampant entre la B2 et la B3. Au cas où pour défendre, mais je pense que ça servira pas à grand chose. Hein, ça défendra quand même. On a 40 de pop armé pour Armani contre 20 de pop pour Max Pax, le bataille d'été. Bien sûr, un Protoss en difficulté. C'est connu, c'est l'adage des Protoss. Hein. Tu es en difficulté, fais le bataille d'été. Tout simplement. Voilà. C'est connu, hein. C'est un adage. Il est dans la famille de génération en génération. Il se transmet de génération en génération. Allez, première shade envoyée pour Max Pax. Je ne suis pas sûr que ça sera validé. Non, ça ne sera pas validé. Le bataille d'été qui n'est pas encore terminé. On a trois spores qui ont été construites parce qu'il le sent. Bien sûr qu'il le sent. Pourquoi? Parce que c'est un Protoss, c'est tout. C'est un Protoss. Il le sent très bien. Kianguis sous rush. Et là, les shades. Attention. Ouh, joli, joli. C'est le message d'accueil quand tu te connectes au Kala. Oh les queens, est-ce qu'elle chope le prisme? Elles vont le choper, il va tomber. Voilà, ça c'est GG. Le prisme est tombé. On a quand même 6 drones qui sont décédés. 7 drones maintenant, 8 drones. Là, les adeptes quand même qui font un petit peu de dégâts, mais ça reste que on a l'avantage toujours en termes d'armée du côté de chez Armani, hein, 44 de supply army. Voilà, 22 adeptes qui ont été tués avec un prisme, ça fait quand même beaucoup de. Oui, il fait quoi que ces drones là Armani, t'as tes drones au milieu de la map là. Enfin, pratiquement au milieu de la map là. Il y avait au moins 7 drones qui traînaient là. Allez. Max Pax a décidé de poser ça à B3. On est en train de faire 2 limos. Et là, on a quoi? 4 DT, c'est ça? Ouais, 4 DT. 3 sont partis en balade. Et le dernier a pris l'avion. Alors, on a les reconstructions de l'Iglial qui sont lancées. Chambre d'évolution qui est posée. Voilà, là, de toute façon, on va voir. Il y a une spore, de toute façon. Oh, puis alors, oh bah, si tu te mets au-dessus de la spore en plus, MDR, quoi.
Ah, le lion rampant, il n'a pas emporté, il n'a pas apporté de... Aïe, 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 il a peut-être pas... Oh, oula. Oh là, ça va être Roy qui va tomber là, pour Armani. Aïe, 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 c'est très, très bien joué ça. C'est très, très bien joué de la part de Max. De la part de Maxence, de Maxime. De Maxune, quoi. Allez, donc on a une B3 qui est tombée, on est obligé de la reconstruire pour Armani. Ce qui fait qu'en fait pour l'instant on a récupéré un petit peu cet avantage d'armée. Maximilien. Maximilien, excuse-moi, Maximilien, parce que c'est pas Maximilien, c'est Maximilien. Maximilien Arturo. Et on a l'aiguille de la part de notre ami Armani qui va tenter de ne pas faire comme Wanted. Il va tenter de produire des mutas, tout simplement, parce que c'est un peu le but recherché hein, quand on pose l'aiguille. Le but est de produire des mutas, tout simplement. Le but est de produire des mutas. Et là, le DT va être vu. Ouais, le DT est vu. On va le choper. On l'encercle et hop là. Tuation de DT. On a tué un DT. Alors, on a le plus 1 d'attaque de portée qui est envoyé pour les Roach, pardon. On a le Blink qui va se finir. Plus il y a le plus 1 d'attaque aussi qui est recherché. On a 2 guettes supplémentaires, ça nous fait 2, 4 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, il y a 8 gates. Pour l'instant on est sur 8 gates. Son over il a 52 PV. Non, 39 de PV il avait, 39 PV il avait. Il a réussi à survivre. Ah c'est vu, c'est vu, c'est vu, ouais c'est vu. C'est vu, c'est vu. Alors, est-ce que c'est vu? Est-ce que ça va pouvoir défendre? On a même la B4 qui est posée pour Armani. On a le plus 1 d'attaque aérien qui est recherché pour les mutas. À moins qu'on fasse des corrupteurs. Non, ce serait du muta. Hein. Pour l'instant, c'est rien du tout. En tout cas, pour l'instant, c'est rien du tout. On a beaucoup de gaz. Oh, c'est rentré. Oh, bah alors là, le run-by, il va faire du dégât là. Oh, bah alors là, laisse tomber le run-by. Oh les billes, oh joli, bien joué. Oh, en plus on est obligé de recall. Oh, il aurait obligé de recall une partie de l'armée. 23 propres tués. Oh là 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 là, si ça c'est pas bien joué pour Armani, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Le CQFF. Voilà, ce qu'il fallait faire. Le CQFF. C'est le CQFF, voilà. Il fallait faire ça, il l'a fait, envoyer un petit run by de Zergling pendant qu'on se fait attaquer. Ce qui oblige Maximilien à tout simplement faire un recall de pas toute son armée mais de quelques unités. Et là on a notre ami Armani qui va push avec quelques Zergling à gauche, beaucoup de ravageurs à droite. Et là on va... Oh, oh là là. On va taper le... Et voilà, il n'y aura pas de disrupteur. Et par contre, on n'a pas... Alors, y a pas de disruption. Il y a beaucoup de ravageurs quand même. Il y a beaucoup de ravageurs de la part de... De la part de Armani. C'est quand même hallucinant ça. Il y a une... Oh, c'est mort, il y avait une... Lol. Il y a une première... Il y a un premier disrupteur qui est sorti à gauche, là, au niveau de la B2. Et il a envoyé une disruption sur des Zerglings qui venaient pour attaquer. MDR quoi. 150 Zerglings sont tombés. 29 probes, 15 drones. Enfin 150 Zerglings. Sachant que les Zerglings ils peuvent repoper indéfiniment quoi. Indéfiniment. 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 Infiniment. C'est quoi ce mot que j'invente là? C'est n'importe quoi. Allez, 12 mutas en production. 12 mutas qui ont déjà le plus 1 d'attaque aérien. Et je ne sais pas si c'est vu par par Max. Je pense pas d'ailleurs que ça soit vu par Max, parce qu'il n'y a pas de... Comment dirais-je, il n'y a pas de recall. On a même le Bata Benin qui est recherché. Et là il va y avoir 13 mutas dans la ligne de minerai. Voilà, boum, allez hop. A plus de mutas. Du côté de Max, on va tenter... Alors, est-ce que ça va être un trade base?
que ça va être un trade base, les copains là. Bien l'impression, hein. J'ai bien l'impression. Oh là là. Oh là 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 là. Si c'est un trade base, il a l'avantage de qui là? Du Protoss ou du Zerg? Parce que là en fait, je crois qu'il il a envoyé ses drones à gauche là. Il y a des drones à mon avis. Là, sur la map, j'ai vu des trucs bouger. Je crois qu'il y a des drones sur la map sur la carte à gauche. Il y a des drones. Je pense que on est parti sur un trade base. Et voilà, le premier trade base de cette compétition. Oh bah oui, bah voilà. C'est ce que je disais. Il y avait bien des drones. Et on a une hatch. Bon bah le trade base hein, qui ne sera pas à l'avantage de notre ami Max Pax. Parce que là en fait c'est simple, c'est que il lui reste deux probes à Max. Il a fait un recall quand même. Ah, c'est marrant, il y a une connexion là qui a été faite. Il y a une connexion qui a été faite. Oh, 48 probes. Oh là 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 là. Bon, le Nexus est tombé. Donc il ne lui reste plus de Nexus, il lui reste plus de probes à Max. Ah, il chope le. Oh, joli. Oh, joli. Est-ce qu'on va choper le. Faut choper le. Voilà, il est chopé, Disrupteur. Bien joué de la part de Harmony. Eh ben écoutez, hein. Il a marqué quoi là? What the fuck? C'est quoi ce qu'il a marqué là, Max? Il a marqué quoi? Ah, je suis choqué ce qu'il a marqué. Il a marqué un truc en chinois et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ou en coréen. Yo Rubix. Oh mon dieu. Est-ce que c'est. GG. Est-ce que c'était comment dirais-je? Est-ce que c'était du trash talking? Non, c'est pas le message qui dit que tu as pas de Nexus. Ah ou ah peut-être. Ah ouais non ouais, je suis totalement. Excusez-moi. J'ai cru que c'était un. Ouais n'a pas reconstruit sa base et va être découvert. Oui. J'étais parti sur une insulte et tout du. J'étais parti sur une insulte du joueur proto sur le joueur Zerg disant que la race elle est OP, mais non, en fait, non, effectivement. Il a pas osé free Tibet. T'imagines? Oh mon dieu, non, mais c'est. Non. On est bien sur un. Max Pax n'a pas reconstruit sa base, il va être découvert. Ouais, voilà, on est bien sûr, on est parti sur ça. On est parti sur ça. Excusez-moi, j'étais parti dans mon délire de trash talking. Parce que je vois marquer ça en coréen, je fais waouh, enfin en chinois, je vois qu'est-ce qu'il a marqué encore? Qu'est-ce qu'il a? Et donc en fait, la deuxième map, c'est toujours Aura de Mort. D'accord. Eh oh, s'il te plaît, arrête. La deuxième map, c'est Aura de Mort. D'accord. Surtout sur les deux clans wars, ça sera Aura de Mort. Bah écoutez, et après c'est un Aura de Mort. Ah là 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 là, sacré Maxou qui trash talk Harmony. Ah bah bravo. Oh bah bravo. Ah là 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 là. Bon, donc ça nous fait 1-0 pour Africafrix dans ce deuxième clan war. Premier match. Et on est donc on va partir sur il y a Spécial qui va jouer en dernier. Il y a Spécial qui va jouer face à Stats. Spécial Stats, et on a un Ninatrap, voilà. Ninatrap qui va suivre après Max Pax contre Harmony et Stats Spécial face à Stats, pardon. En chinois, exprès pour pas qu'ils comprennent, c'est vraiment pas manœuvre Max Pax. C'est sûr, c'est. Ouh! Ce drone là, il est là pourquoi ce drone? Il est là pourquoi ce drone là, Armani là? Est-ce que c'est un. Non, c'est pas un. Non. Non, c'est pas ça, Armani. Il va pas nous faire une hatch cheese. Attention le coquin. Et oui, et oh là là, Armani.
Il était jaloux des 7 au milieu de la map de tout à l'heure, ce drone. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et ben voilà. Et ben on a un petit cheese de la. On a un petit cheese de la part de Armani qui nous fait une hatch. Hatch proxy. Enfin, c'est plus proxy, quoi. C'est carrément devant. C'est carrément de chez toi, quoi. Dans ta maison, quoi. Tout simplement. Alors, on a envoyé 2, 4, 5, 6 probes. Plus le zilote. Faut pas. Alors, j'en aurais envoyé. J'aurais envoyé 5 probes moi. Donc envoyer 6, ça fait. Laisse-le. Non, c'est bon, laisse-le là. C'est, après, ça, tu vas te faire tomber. Donc laisse-le là. Et là, on va empêcher la pose de la base de Armani. Mais est-ce que c'est bien dérangeant ça? Il va la cancel. Ouais, il va la cancel. GG, c'est bien cancel. La poule est là. On a quoi? On va voir combien de Zerglings qui va popper. 6, non? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va lancer une autre hatch? Non, il va pas lancer d'autres hatch. Il va pas lancer d'autres hatch. On a bien une hatch dans sa maison. On a également deux Zerglings, une première queen en production. Et on a donc le zilote qui est parti de l'autre côté de la map, de la part de Max. Et avec un adepte. Et la preuve ici qui va se faire choper. S'il va la choper, parce qu'il va choper. Oh, le drone qui s'est retourné lui a mis un coup de queue. Boum. Allez. Chloé, je peux pas. Tout à l'heure. D'accord? Maintenant tu arrêtes. Allez. Alors, est-ce que là, les Zerglings vont-ils défendre? Alors là, le zilote, hop, on va aller sur la B3, parce que c'est une troisième base aussi qu'il a posé Armani, il a posé une deuxième hatch. Et on a l'adepte qui a shade, mais qui n'a pas été validé. La shade n'a pas été validée. On a un Stargate qui est en production, Stalker, on a cancel l'adepte qui est en production et on a fait son Stalker pour justement choper cet Overlord. Et là on va voir la Queen, non, on va voir les deux adeptes qui vont mourir, non, un seul adepte est mort. Arrête. Un seul adepte est mort avec un Zilote. Et on a un Void Ray. Qui va sortir première unité de cette Stargate. Le warp qui se finit, le warp gate qui se termine. On est sur 32 probes contre 34 drones. 14 de supply armé à 8 en faveur de Armani. Et puis voilà. On est en train. Et on fait une chambre d'évo, tiens. Chambre d'évolution pour Armani. Est-ce que ce serait. Peut-être. Non. Oh. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit pour ça. Il y a un oracle qui est sorti. Qui va sortir. Oracle qui va sortir. Chambre d'évolution. Plus un d'attaque de mêlée. Très bien. Non, je serais parti sur un Nidus, moi, mais non. Non. Alors on a deux sports. Non, ça suffit. Non, allez, assieds-toi. Alors, il y a déjà deux sports, donc l'oracle ne va pas faire grand-chose. Production de Phoenix de la part de Max. On a une deuxième Stargate, pardon. Par contre, deuxième Stargate, cet oracle n'aura rien fait, bien entendu. 3 queens in sport, ça défonce bien l'aérien. 10 Zergling en production, le Bata Bending est là, on a le plus 1 d'attaque aérien. Et on est sur du Phoenix, d'accord. B4 pour Armani, c'est bien ça, c'est bien Armani. Armani il fait continue ça. Donc on va rester sur du Phoenix du côté de chez Max. Ouais, très bien. Phoenix pour Max. La B3 qui va se terminer. On prend ces deux gaz. Je pense pas qu'il ait vu. Qu'il ait vu quoi que ce soit Armani au niveau de l'aérien.
Mais bon, il y a du, ouais, y a de la queen, de toute façon. Une petite révélation qui ne fait rien. Je crois bien que c'était pas le T2 qui était là. Il s'est fini. Je sais pas où il s'est fini le T2, mais. Ah, si, c'était bien dans la main. Bon, c'est tout. Bah, voilà. Il y a que le T2 qu'on a vu. Il y a beaucoup de Phoenix par contre. Il y a beaucoup de Phoenix. Alors après. Est-ce que c'est intéressant de faire beaucoup de Phoenix quand en face t'as beaucoup de Zergling? Parce que soulever les Zergling un par un, je suis pas sûr que ça soit intéressant. Mais en tout cas, Max Pax lui continue son aérien et il est sur une troisième Stargate quand même. Ça fait beaucoup, je trouve, le troisième Stargate. Hein. Est-ce qu'il va lancer la. Ou alors on va rester sur du Stargate. Et là ça y est. On a une première push. Beaucoup de queens sont soulevées. Il y a combien là? 1, 2, 3. Les 4 queens étaient soulevées. Ouais, c'est ça. Hein. Les 4 queens étaient soulevées. Alors on soulève encore des queens. Là il y a un sport. Il y a 6 sports. 6 sports en production. Et encore beaucoup de queens hein, de la part de chez. De Charmani, mais ça y est, on a des. Il y a même beaucoup de queens, j'ai remarqué. Là. c'est la 8ème là qui est en train de tuer là. C'est la 8ème. Pouah, la queen, comment elle a explosé. Oh là là, c'était beau à voir. C'était beau à voir. Oh les Benning. Oh les Bébéines. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Force field. Alors, est-ce que là ça fait un peu de dégâts? Parce que on a perdu des queens, mais d'ailleurs faut faire du dégât en termes d'économie avec 13 probes, 14 probes, allez, probes, 16 probes. La transition carrière sera plus facile. Bah, détrompe-toi, on est sur du 3 oracles. Voilà. On a décidé de lancer une transition 3 oracles. Et d'ailleurs, par contre, c'est en train de détruire les overlords avec ses phoenix. Alors par contre les oracles, je suis pas fan. Je serais plus effectivement parti sur du carrière. Mais les oracles. Putain, on est supply des deux côtés quoi, MDR. MDR, on est supply des deux côtés. Alors on a des corrupteurs par contre du côté de chez Armani, côté Max. Alors voilà la transition qu'il t'a fait. Il a fait du phoenix pour faire de l'oracle. Pour refaire. Enfin, pour faire du void ray, quoi. L'intérêt? Alors, oui, les oracles permettent de faire des stases. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, en faire 3. Un peu exagéré, quoi. Un peu exagéré, quand même. Notre ami Max, là. Balise de la flotte. Balise de la flotte. Et on a. La fosse d'infestation. La fosse d'infestation qui est là. 8 corrupteurs en plus. Je crois qu'on en a déjà pas mal de corrupteurs hein, sur le terrain. Et c'est déjà pas mal. 10 drones en plus lancés par Armani. Et avec ses phoenix, pour l'instant, il fait pas grand chose. Hein. On a le plus 2 d'attaque de mêlée qui se termine pour ces Arlings qui vont faire du dégât. Et on a l'amélioration du Void Ray. L'amélioration du Void Ray. Voilà, qui est recherché avec le plus 2 d'attaque aussi aérien. Mais bon, il y en a aussi le plus 2 d'attaque aérien pour les unités d'Armani. Oh les corrupteurs, oh les corrupteurs. Et hop là. Alors, voilà le plus 2 d'attaque qui nous fait voir. On est sur. On était supply block d'abord pour Armani. C'est pas bien ça d'être supply block, les gars. C'est pas très bien du tout. Alors, oh l'oracle. Un oracle gratos, voilà. Un deuxième oracle peut-être, non? Non, on va pisser sur la. Pisser sur... Non, on pissera pas. On fera pas pipi. Est-ce que là par contre la forêt fait. Ouais, oula. Faut faire attention. Faut faire. Est-ce que. En vitesse pure. Est-ce que. Ah, ça va. On va perdre un seul coru. Ah, c'est bien ça. On a laissé un coru derrière pour qui décide. Le supply block est une opportunité, pas une fatalité. Effectivement, c'est pas une fatalité d'être supply block. C'est une opportunité. Alors, on a l'amélioration aussi des phoenix
qui est recherché. Il va nous faire toutes les améliorations du la balise de la flotte, notre ami Max. Après l'amélioration des Void, on fait l'amélioration du Phoenix. Après, on aura sûrement l'amélioration des Tempestes aussi. Qui va tout nous faire, quoi. Alors, on est sur de la Viper Corrupteur. Donc, on va avoir un Sky Tos contre un Sky Zerg. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Sky Zerg. Je l'ai inventé. J'adore inventer des mots. Voilà, le Sky Zerg face au Sky Tos. Sky Zerg, Sky Tos. Destruction de cailloux pour ces Zerglings, c'est très bien, tiens d'ailleurs, c'est très très beau. Oh non, il prend des Zerglings à part un quoi, 22h quoi. Oh, monsieur, on aura tout vu chez ce monsieur. Alors, on a ça, c'est les glandes pathogènes. Voilà, les glandes pathogènes, le plus de data qui vient de se terminer. Les glandes pathogènes sont recherchées parce que, bien sûr, on aura de l'infestateur sur le terrain. Et on a même les queens. On a les queens qui sont présentes. Allez, un oracle. On a les queens et on a même le bat à ultralisque. Ouh. Oh les bains de linge. Oh les bains de linge. Allez, on envoie du petit. Alors, je sais pas c'est quoi la. Ce qu'ils envoient là déjà les. Merde, ça s'appelle. Les Vipers. Le crachat, je vais appeler ça le crachat. Je vais appeler ça le crachat. Je sais pas ce qu'ils envoient leur truc. Il n'y a toujours pas d'infest. Hein. Les infests sont sortis seulement maintenant. Oh, les Benly qui font encore du dégât. Boum. Ah là 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 là. Et on a le parasite neural qui est recherché pour ces infests. On aura du. Les queens, je sais pas pourquoi elles sont parties de l'autre côté de la map, mais elles reviennent. Je pense qu'à mon avis, elles auraient dû partir, les queens. Elles auraient dû partir. Et là, on a encore une fois un petit run by de Zerling qui est. On est que dans la deuxième map. Hein. Deuxième map de ce deuxième clan war. Enfin, premier match, deuxième map, deuxième clan war. Voilà. Et là, on a encore 8 probes qui ont été tuées. C'est pas mal. 93 drones pour Amani. 57 probes. Pour notre ami Max Pax, on est sur 5 bases. La sixième est en cours de construction. On a de l'infest et on a 3 ultralisques avec la carapace chitineuse. Voilà, le parasite neural qui se termine pour les infestes. On a également enfouissement qui est recherché ainsi que la carapace pneumatique. Bon, par contre, il y a de l'archon. Beaucoup d'archons et je crois que ces unités terrestres ne sont 0-0 du côté de Max parce que depuis tout à l'heure il a tapé sur du de la technologie. Ah non, ils sont 1 d'attaque et ils vont avoir le 2 d'attaque parce que le 2 d'attaque est recherché. Et on a lancé la Storm également, c'est pas mal ça. La Storm à l'arrière sur les corrupteurs c'est bien, sur les ultralisques ça sert un petit peu à rien, mais bon. Carapace chitineuse qui s'est terminé, enfouissement aussi, carapace pneumatique également. Beaucoup de sport qui sont à droite et à gauche. Par contre, le creep de Armani, il est pas tip top. Hein. Il est pas tip top du tout. Il est même pas au milieu de la map. C'est un peu dommage hein, avec le nombre de queens qu'il a. Il pourrait avoir du creep jusqu'à la base de chez Max. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et on a du Tempest. Voilà, voilà, il va nous faire toutes les unités aériennes, Max. Hein. On a eu du Phoenix, de l'Oracle, du Void, et maintenant on est sur du Tempest par 3. Voilà. Allez, on a décidé d'emmener tout cette fois-ci. On a les Queens, les Ultralisques, les Infestes, je ne sais pas où ils sont encore. On a du Corrupteur, il nous reste. Non, on a toujours les deux. On a toujours. Ouh, la Storm numéro 1 qui a. J'ai rien fait. Storm number 1, nothing at all. Nothing at all. Le plus 3 d'attaque aérien est là. On a les infestes. Les infestes sont là. On a également le plus 1 de défense carapace qui est recherché. Attention. Les bendlings sur la gauche là. Vont-ils connecter? Ça a fait du dégât. Ça a fait du dégât. On va choper les bâtiments. Première connexion. Oh, on a Neural Parasite. Deux archons.
Oh, c'est bien joué ça. C'est très très bien joué et on avance. Hein. On avance. Est-ce qu'on va parasiter d'autres? Un troisième archon qui est parasité, c'est pas mal ça. Donc un quatrième, un cinquième, un sixième. Oh là 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 là. On parasite Neural les archons. C'est très bien joué de la part de Harmony. C'est très très bien joué de la part d'Harmony. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser de tous ces voids? Je ne suis pas sûr. Hein. Malgré qu'on ait des queens. Faut taper, faut détruire. Voilà, est-ce qu'il y a... Ah, dommage. Dommage, dommage. Mais il y a 19 corrupteurs qui sont produits derrière. 19 corrupteurs, on a perdu 15 000 de minerais contre 8 000 simplement de la part de Max. Ce n'est pas énorme. Là, il y a des petits idiots qui étaient venus faire un petit peu de dégâts, mais bon, pas grand chose. On va avoir le plus 1 de défense au niveau de ces unités terrestres. On a déjà le plus 2 d'attaque de mêlée. Du côté de chez Max, on a lancé son plus 3 d'attaque. Mais il y avait 18 corrupteurs en production et on a la grande aiguille qui se transforme, enfin l'aiguille qui se transforme en grande aiguille, voilà. Donc on est toujours sur 4 bases par contre du côté de chez Max et ça va commencer peut-être à faire mal hein, au niveau de la game hein, parce que 4 bases contre 2, 4 et 2, 6 contre 6 dont la 7ème est en production. Un Zerg sur cette base peut faire beaucoup. Et là, on a combien? 16 Bending. Oulolololo. On voit les rally points des unités. Bon, il faut voir les dégâts. Attention les dégâts. Voilà, clic, clac, boum. Attention, en haut, à gauche. Faire du dégât peut-être. Là, on va taper un pylône. Bon, ça n'a rien fait. Oula. Oh, cet enfouissement. Oh, joli. Et là, oh mon dieu, il y a 14 probes, 21 probes, oh purée. Oh non de Zeus. Ah oui tiens d'ailleurs de la purée, je pourrais faire de la purée, on va faire de la purée ce soir. Je pensais à un truc. Ah là 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 là. 21 probes, ce mec il se dit tiens je vais manger quoi ce soir en même temps qu'il casse. Oh, joli là, alors là c'était, j'allais dire joli mais en fait non c'est raté de chez raté. Aussi bien les répercussions que la storm totalement ratée. On a encore 6, 7, 8, 9. Non, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini, d'accord. Après, quand ce sera fini. Et là, on a 6 Broodlords en production. Je commente un match. 6 Broodlords en production. Et là, on a. Ah oui, si tu veux, oui. Non, je peux pas monter là par contre. Excuse-moi. Et on a un petit run by de Zergling qui s'est emmené, qui est passé dans la B2. On a du carrière en production, beaucoup de corrupteurs. On a de l'infest également. Et on va avoir un plus 3 d'attaque de mêlée qui va se terminer. On a lancé le plus 1 de carapace aérien. Il y a beaucoup de sports hein, ici. On a beaucoup de sports qui sont... Et je pense qu'ils vont être avancés petit à petit. Hein, que le creep avance. Ça va se battre sur ce côté de map. Hein. On va se battre sur ce côté de map. Voilà. Beaucoup de... On a du sport. Mais après les tempêtes. C'est pour ça qu'on a on a ajouté de l'oracle. Pour avoir des révélations. Mais tu parles déjà là, je te signale, ils t'entendent les gens. Non, ils m'entendent pas. Si, ils t'entendent les gens, t'inquiète pas. Et on a trois ultralisques qui ont fait un petit run by dans la B2. Non, tu peux pas avoir le casque par contre. Je suis désolé. La Storm qui a bien connecté. Et on a les. Il a caché encore un ultralisque. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. L'ultralisque qui est caché, qui est enfoui. On a toujours la production de corrupteurs. 136 de pop armé pour Amani contre 153 pour Max. Hop, 250. Bien sûr qu'on a l'avantage aérien, mais on a l'avantage économique pour Amani. On est sur du 2200 par minute de minerai avec 1500 de gaz contre seulement 1700 de minerai pour Max contre 400 de gaz par minute. C'est très... LOL. L'ultralisque qui était caché. MDR quoi. C'est vraiment très très... Si Max veut gagner cette game,
et remettre les équipes à égalité, faut qu'il prenne des bases quoi. Faut qu'il aille prendre des bases quelque part parce que là c'est pas possible. Puis de toute façon il pourra pas parce que là la game elle est largement à l'avantage de Armani hein. En arrière, il y a des infestes qui sont sur la gauche là, ils sont cachés derrière le minerai. On les voit à peine, ils sont cachés, ils attendent le moment fatidique. D'ailleurs, moi je pense que l'idéal ce serait carrément de les emmener de l'autre côté. Et là on va voir l'amélioration des tempêtes. Voilà, il a décidé de faire toutes les améliorations de la balise de la flotte. Voilà, voilà. Là on a... Alors, il tente de faire des stamps peut-être, on a grab un premier... carrière, c'est très bien joué. Ça, on a, par contre, on a que deux. Il n'y en a que deux des Queen. Des, non, ça s'appelle. Des Viper. Hein. On lui a dit qu'il était trop riche, lol. Alors il dépense. Oui, mais quand même. Enfin, qu'il était trop riche. Non, justement, il n'est pas trop riche. Quand on voit qu'on a 5000 de minerais en banque et 1900 de gaz pour Armani. Allez, Fungle. Allez, Fungle. Fungle numéro 1. Bien lancé. Ça a pris beaucoup d'unités. Fungal numéro 2, encore une fois. Voilà, les Phoenix, il n'y en a plus. Ils vont tous mourir, les Phoenix, là. Piu, 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 piu. A plus de Phoenix. A plus de Phoenix. Par contre, on a toujours 130 de pop armé du côté de Max. Hein. Du côté de Max, c'est hallucinant tout ce qu'on a en armée. Est-ce qu'on irait... Il n'y a plus d'infest? Bon, déjà, il n'y a plus de Vikings. Ça, c'est sûr et certain. De Vikings. De Void Ray, pardon, excusez-moi. Non, je t'ai dit, je suis en train de parler, je peux pas te donner le casque. Et on a fait un recall de la part de Max. De Max. On a fait un recall. Alors. Il y a plus de Void Ray. Il y a un seul carrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a peut-être deux carrières à la rigueur, mais bon. Et c'est le GG. Good game. 2 à 0 pour Armani. Et donc 2 à 0 déjà pour Afrikafrix. Allez, va jouer avec la montre. Oh, c'est une... Oh, la pub que j'ai pas vu, tiens. Ah, ah, ah. Ah, c'est caca, ça. Ah, c'est dégoûtant, ça. Ah. Ah, ça me donne pas envie de... Ah, de la bonne huile de cuisson, pardon. L'huile de friture, là, cherchez le nom. L'huile de friture. Ça, c'est une sorte des... C'est pas des écrevisses, c'est... Ouais, c'est une sorte d'écrevisse, quoi. Ah, et puis de les mettre vivantes, quoi. Ah. Donc, en gros, après, on met ça dans des bocaux. Voilà. Hein. Grosso modo, c'est ce qu'il est en train de dire. On met ça dans des bocaux. À peu près 100 grammes, c'est ça? 150 grammes? Voilà, à peu près 150 grammes d'écrevisses dans des bocales. Des bocaux, pardon. Et puis, on referme ça, c'est ça, non? Voilà, on va fermer ça. Voilà. Et on envoie tout ça. Ah, c'est marrant, c'est... Ah, mais c'est du plastique, c'est un bocal en plastique. D'accord, ok. Et on envoie tout ça dans l'international, voilà. Ça, c'est ici que se trouve le stock. Je vous fais la traduction, hein. Mais globalement, c'est ça. Et ici, bah voilà, on a toutes nos boîtes qui sont dans du polystyrène, toutes nos écrevisses vivantes. Et voilà. Elle est pas droite ta boîte, mec. Le couvercle n'était pas droit. Voilà, c'est ça. Oh mon dieu. Ça coûte 49$ là, un truc. 49 yens. Oh mon dieu, ah oh, la publicité qui me donne mal à l'aise. Enfin moi ça c'était malaisant la publicité là. Ah, la musique qui a pas du tout avec le contexte. Ah ouais, non mais non, pas du tout quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Ah mais moi j'ai mais c'était malaisant. Les pauvres. Bah je suis pas vegan hein, mais enfin voir ça dans une publicité, tu vois le machin qui bouge en vrai là. Enfin, il est vivant, quoi. Et puis, il te le jette dans la friture. Ah, mais je sais pas, moi, tuez-le, quoi. Enfin, avant, je sais pas, moi, tuez-le avant, quoi. Ne fait pas voir ça que c'est vivant et que tu le jettes dans la friture, quoi, le pauvre. Attends, mais oh, c'est une publicité. C'est comme si tu disais, ouais, bah, je sais pas. Je sais pas, tu disais que, ouais, le mec, il est condamné à mort. Bah, on vous fait voir son meurtre en direct.
Non, c'est pas bon ça. C'est pas beau, c'est pas bon à faire voir. C'est pas de la publicité comme ça qu'on veut. On veut pas ça, quoi. Ou alors qu'on nous fasse voir une vache en train de se faire tuer et qu'ensuite qu'on la mette en barquette, quoi. Par rapport à que ça soit du steak haché. Ah mais non. Ah mais je plus sois pas ça. Ah mais c'est pas possible. Donc on a un Nina Trap. Deuxième match de cette. Vivement, heureusement qu'on change de. Faut qu'on change de sujet, pardon. Parce que là. Ah oui. C'est pas beau du tout ça. C'était pas beau. Et on va partir sur la première map. Ce sera Romanticide. Dans ce PVP. Nina Contre-Trap. Contre-Trap, pardon. PVP. Et ensuite, on aura un spécial contre Stats. Un SS. Un SS, un spécial stats. Ah là 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 là. Et je me fais de la publicité, voilà, à moi tout seul. Mais n'hésitez pas à follow ma chaîne YouTube que vous avez sur le profil de mon Twitch, puisque il y a toutes les VOD de tous les tournois que je caste. Et vous avez déjà la VOD. Je l'ai pas encore mise, je crois. Si, je l'ai mise. Non, je ne l'ai pas mise encore, la VOD de la semaine dernière, mais il y aura la VOD du week-end dernier avec les trois journées du premier week-end qui seront mises là. Ça va commencer dès aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a aussi les VOD des ESL Cup. Donc n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch. Ma chaîne YouTube, pardon. Excusez-moi. Nina, plus de mental que Trap qui a gagné plus de GSL en étant affolé. Ouais, non mais c'est pour ça qu'en fait les stats, les statistiques qu'ils mettent là, je fais pas attention, quoi. C'est n'importe quoi. C'est du what the fuck. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent ça. Je sais pas quel abruti a décidé de voilà, c'est du chapeau magique. C'est coucou, abracadabra, voilà quoi. Allez, on est parti sur Romanticide en bas à droite en Protoss bleu représentant la team Exeon. Il s'agit de Nina. Et en haut à gauche, en Protoss rouge, représentant la team Afrikafrix Trap. Et on est parti sur du pylône des deux côtés. Et on a les deux caméras des joueurs. Voilà. On a Nina qui est à gauche et Trap qui est à droite. À droite, ouais, c'est ça, ouais. Trap est déjà en train de chavirer mentalement. ça se ressent au niveau de son visage là, de son expression faciale. Ça se ressent là. Là il est en train de se dire oh mon dieu, ah je vais la perdre. Ah je me sens pas bien. Vite des écrevisses cuites. Vite des écrevisses frites. Vite, faut que je me remonte le moral. Oh là là. Allez, on a double gaz et on va voir double gate des deux côté. Maintenant, il n'y a pas de deuxième gate pour Nina. Si, ça y est. Qu'on fasse chauffer de l'huile de friture de toute urgence. C'est ça. C'est ça. Tout de suite. Chérie, fais-moi chauffer l'huile. Il me faut de la nourriture. Ah là 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 là. Alors, on a bien une gate, double gate des deux côtés. Il me faut ma ration d'écrevisse. Vite. Deuxième pylône à la maison, donc on n'a pas de proxy pour l'instant. Et on est peut-être parti. Non, est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de Nexus pour l'instant. Et on a décidé de partir sur du Stalker. Voilà, Stalker Blink pour les deux joueurs avec le Warp Gate également. Troisième pylône devant la B2. Et on a ici les deux stalkers qui vont peut-être taper la probe. Mais je ne doute que ce sera fait. On a un pylône du côté de chez. Ouais, pylône bloc, mais qui sert un petit peu à rien. Voilà, juste à utiliser du minerai. Ça va être cancel, voilà.
C'est ça, c'est fait. Alors, ils sont où les stalkers de chez Nina? Elle en avait fait deux. Mais je crois qu'ils sont repartis. Hein. Ils sont repartis. Et on a un proxy. Pylone proxy pour Nina. Un petit pylone proxy. Et pour l'instant, pas de. Non, pas de Nexus. Non, pas de Nexus. Alors, est-ce que ça va être. Ah, si, ça y est, Nexus. Si on va taper, on a 4 Stalkers pour Nina. Il me semblait qu'il y en avait 4 aussi du côté de chez Trap. Ils sont à la maison, je suppute qu'ils sont à la maison. Ouais, ça, ils sont bien à la maison, ouais. Ils sont bien à la maison. Trap. Oh la perte de. Allez, force field. Dommage. Too much. On aurait pu faire un force field. Alors, on a une robot. De la part de Trap. Du côté de chez Nina, on a fait le conseil crépu. Et on a la forge également. Voilà. Conseil crépu et forge. Et là, on a. Oh, c'est vu. Allô. Voilà, ouais. Ça s'arrête, coucou. Allez. On va en choper un peut-être. Et ouais. Ah, dommage. Dommage. Oh, bien joué ça. Bien joué. Bon, alors, ce petit proxy pylône là, il savait strictement rien de la part de Nina. Il est vu en plus, voilà. Et derrière, on a 4 stalkers qui arrivent. Mais bon. Est-ce qu'il va choper? Ah, il a pas la vision. Ah, il lui reste combien de PV à ce. Ah, puis je crois qu'il lui reste un PV à ce pylône. Il lui reste un PV. Alors, on a le blink recherché par Nina. Leur contrôle X, il est mal fait. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, quoi. Je suis totalement bloqué sur ça, quoi. C'est Nina, en fait, elle est en bas et au niveau de l'écriture, elle est en haut, quoi. Ça m'énerve. Mais bon, alors on a des adeptes de la part de Trap qui sont envoyés. Est-ce que ça va passer? Ah, adepte. Ah, les shades qui bloquent les shades. Tiens, je ne savais pas. Je pensais qu'ils pouvaient passer à travers les shades, mais non, ça ne passe pas à travers les shades. Une shade ne passe pas à travers une shade. Très bien. Je ne savais pas. Alors, conseil crépu aussi et forge de la part de Trap. On a également le blink et le plus 1 d'attaque du côté de chez Nina. Alors côté du côté de Trap, c'est la charge qui est envoyée. La charge, on a B3 pour Nina. Il me semble qu'il va poser sa B3 aussi, Trap. Hein. Ah, il a 400 de minerais, ça y est, poser sa B3. Ce qui est marrant, c'est qu'ils recherchent. Ils ont les mêmes bâtiments, mais ils recherchent deux technologies différentes. Pourtant, c'est du PVP. Hein. Et on a aussi une robot. Elle avait fait une robot déjà, Nina. Non? Ouais, c'est sa première robot. Et généralement, après, on part sur de l'Archon pour le PVP. On part sur de l'Archon. Hein. Le Zilot charge avec de l'Archon. Pou. Archon Imo, ça fait très très mal. Charge Archon Imo, ça fait. Voilà, regarde. Est-ce que fait Trap? Archive des Templiers, c'est ce que je disais. Hein. Archive des Templiers. Imo, Archon, Zilot charge, ça fait très très mal. Par contre, du côté de chez Nina, on a décidé de partir bête soutien robotique. Et on va avoir du disrupteur pour Nina. Ouh la B3. Attention, le petit blink. Voilà, on a déjà deux Imo. On a des force feed. Donc on est tranquille. Et les zilotes. Ah non, c'était pas des zilotes, c'était des adeptes. Je pensais que c'était des zilotes. Parce qu'il avait la charge, donc ça aurait été peut-être judicieux, non, mais bon. Il a récupéré ses 3 adeptes. Trap, magnifiquement bien joué. Donc on a fait quand même 3 kills de probe, c'est pas mal du tout. Donc on est sur. Alors on est sur une robot. Et on va produire. Voilà, de l'Archon de la part de Trap. Trapounet qui nous fait de l'Archon. Je l'avais dit, hein. PVP, c'est ce qu'on fait. PVP, c'est ça. Archon, Imo, Zilot charge. Alors, on a 4 gates rajoutées
de plus pour Trap. Du côté de chez Nina, on est parti sur du disrupteur. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose le disrupteur. À l'arrière, oui, si effectivement, si de côté on reste sur du. On reste sur des unités assez standards. Donc Zilot Stalker, mais bon. On a une P4 pour Trap. Trap qui a choisi d'être très. Très très économique. Il y en a encore la production d'Archon. Alors B4, on a rajouté une deuxième robot pour Nina. On a le blink qui est envoyé pour Trap. On va se défaire de ces petits. Il a 1, 2, 3, 4. Il a 4 Archon, 3 Imo. Et ensuite il va voir quoi, ça fait combien, ça faisait 4, 5, ça va faire 6, 7, 7 gate, non, si je dis pas de bêtises, en termes de prod. 7 gate, donc beaucoup de zilotes. Alors ça, attention, on n'est pas supply, voilà, bien sûr, on split un tout petit peu, voilà, oh le blink, même pas. Ah, Nina, elle a décidé d'avancer tranquillement. Vas-y, que je t'avance pépèrement. Et hop. Enfin, de toute façon, il y a du zilote qui arrive ici. Voilà. Là, si on peut taper le pylône là. Et si on peut taper le. Ah, dommage. Ouais, le pylône va être target. Très bien. Très bien. Le 2 d'attaque qui est retardé. En plus, il allait bientôt se terminer pour Nina. Aïe, 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 aïe. Ah non, il est fini. Ah, il s'est fini. Ah, je pensais qu'il allait être cancel, mais non, il s'est fini. Donc on est 2-2 des deux joueurs. Et on a la B4 qui est cancel. Voilà, elle a cancel sa B4. Et on repart tranquillement. Et on a même lancé le plus 3 d'attaque pour Trap. Et qui vient, Nina, elle a perdu 14 probes. Po, 14 probes. Laissez tomber, c'est game over. C'est game over. Et on rajoute bête soutien robotique et une robot. Également pour Trap qui va partir lui aussi sur du disrupteur. On en a déjà combien? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je dis pas de bêtises en termes de compte de disru. 6 disrupteurs pour Nina. Attention, on a le blink des deux côtés. Attention, hop là. Oh, le stalker n'est pas mouru. Et on fait colosse. What the fuck? On a eu 10 îlots en production qui vont faire le tour de la map pour essayer d'aller faire un petit run by, mais je suis pas sûr que ça fasse grand chose parce que toute l'armée de Nina elle est positionnée entre sa B2 et B3. Elle a pas décidé de sortir. Et on a, voilà, on va avoir le plus 3 bien avant Nina du côté de Trap. Là, les bubules n'ont rien connecté du tout, les Nova. Alors, je pourrais avoir le décompte des disrupteurs du côté de Nina, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool, mon petit Tops. Malgré le fait que tu ne m'écoutes pas. Alors, B4, et on va voir la B5 du côté de Trap. B4 contre B5. Alors. Là au niveau de l'Ops on voit tout, attention à la bibule, de Nova envoyé, pas connecté. Je pense que là à droite là ça doit être une flopée de Zilot. Ouais. À droite c'est des Zilot de la part de Nina. Non, Zilot Stalker de la part de Trap, pardon. Et Nina vient tout juste de lancer. Oula. Ouf. Jolie Nova. Ça c'est de la connexion ça. Ça c'était de la connexion. Là ici. Le petit round-by n'a rien fait. On vient encore de choper un disrupteur de la part de Trap. Pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. C'est lui qui manie mieux les disruptions. Attention, notre envoyé raté. On a toujours les. Attention le prisme. Aïe. Le prisme, il est encore. Oula, est-ce qu'on va faire un petit sandwich de la part de Trap? On a ramené ces unités en haut là. Et ouais, en tout cas on est 3. Oh joli, oh la disruption. Attention, hop, oh Nina. Oh Nina, ça a fait du dégât. Attention. Même pas. Ça connecte pas.
Il y a beaucoup là, il y a beaucoup là. Est-ce que tu peux envoyer celle-ci? Non, envoyez pas celle-ci. Celle-ci, oui, ça va connecter, ça va connecter. Oh là là, et puis là derrière, il y a un rebail de Zilot avec les Stalkers qui sont là de la part de Trap qui a fait beaucoup de dégâts. Ouh, 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 ouh. Et là encore, on a, attention, oh la description, oh la Nova. Ouf. Oh, c'était cacahuète là. C'était chaud, hein. C'était chaud. Attention, il y a encore deux Nova de la part de... Non, il y a encore 4 disruptions de la part de Trap. Attention à celle de Nina. Et non, et non, et non. En plus, on n'a pas le... Ah non, non, on n'a pas les... Comment ça s'appelle? La Thermolance. On n'a pas la Thermolance pour ces deux colosses là. Qu'est-ce qu'ils foutent là derrière ces deux colosses? Ils sont là pour faire quoi ces deux colosses? Pour jouer aux cartes? Pour se faire une... un poker? Allez, on a Blink offensif. On a encore chopé, attention. Oh, bien joué. Bien joué. On a quand même fait du dégât, mais on a quand même. On a quand même esquivé un peu de cette Nova. Écoutez, on a perdu 16 Stalkers pour Trap contre 35 de la part de Nina. Ça fait quand même beaucoup. Là, on a encore perdu 7 probes. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Ah. What's happening? Ah. Hop là. Un petit souci au niveau du... Merde, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du clean feed. Merde, j'ai le clean feed qui est mort. What's happening? Je suis sincèrement désolé. Je vais réutiliser la page. Une erreur s'est produite. Ah. What the fuck? Je suis le seul qui est ça ou pas? Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Je vais voir si les autres ils l'ont. Oh putain, je suis seul à l'avoir. Sérieux? Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. C'est revendu. C'est revendu. C'est pareil chez Wardy, si ça peut te rassurer. Oh, ok, d'accord. C'est cool. Bon, bah, c'est peut-être le côté Europe alors. Parce que si c'est pareil chez moi, parce que moi j'ai été voir chez. Chez le caster Into the New et c'était en live, donc c'était sûrement côté Europe, hein. Alors on a vu quoi? On a vu donc, alors j'ai vu que Nina avait target la B3 de Trap, mais Trap a toujours deux bases d'avance puisqu'on est quand même sur on est sur B1 2 3 4 B4 contre, enfin même B5 parce qu'il a reposé sa base là, B5 contre B3, et en termes de pop armé, un 113 de pop armé à 59, on est 3 d'attaque avec 1 de défense pour Trap contre seulement le 3 d'attaque. Attention, oh, attention, oh le blink, oh le blink dans les disrupteurs, oh le, bah oui, bah c'est obligé, ça va, on n'a pas manqué la fin de la game. GG de Nina, 1 à 0 pour Trap. 1 à 0 pour Trap. Te fais pas mal, hein, d'accord? Oui, c'est bientôt fini. Encore quelques minutes. Après, on partira. D'accord? De toute façon, c'est pas encore l'heure de goûter, je te signale. Donc, bon, bah voilà. Et bah, si tu sais. Qu'est-ce que tu m'en kikines? Espèce de crotte de nez. Allez, on va partir dans la deuxième game de ce PVP. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était ma... Oh, n'empêche, j'ai cru que c'était ma connexion internet qui merdait, ouais. J'ai fait, oh non, c'est pas possible. Mais non, ça va, c'était juste le stream qui avait un petit... le clean feed qui avait un souci de... Bah de clean, tout simplement. Le clean feed qui avait... Tu vas te laver les mains, c'est ça? Tu remontes tes manches, hein. Et on va aller sur Aura de Mort. D'accord, donc Aura de Mort, ça vraiment, c'est vraiment la map. Non, 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 ouvre s'il te plaît. Tu laisses ouvert. Voilà. Aura de Mort qui est la deuxième map de la journée. Voilà. Les gens ont décidé de jouer que sur Aura de Mort. Ta Trap, il est trop swag dans son t-shirt, dans son maillot, quoi. Il est trop swag. J'adore ça, quoi. J'adore ça, quoi.
Là, il a pas l'air d'être affolé, là. Là, il est trop swag du tout. Allez. Oh, le petit contrôle X qui a été fait. Oh, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. En haut à gauche, nous avons Nina en Protoss bleu, représentant la team Exeon. Et en bas à droite, en Protoss rouge, représentant la team Africa Freaks. Il s'agit de Trap, qui mène 1-0 dans ce deuxième match de ce deuxième clan war de la journée. Nous remercions tout particulièrement SC Boy qui nous permet de vous Oui, je t'écoute. Oui, bah, j'ai vu. Oui. T'aurais pu au moins t'essuyer la figure, c'est pas grave. Qui me permet de vous retransmettre de cette compétition tous les week-ends. Jusqu'en juin. Ouais, c'est ça. Jusqu'au week-end du 26 et 27 juin où ce sera la finale. Là, on était quel jour hier? Non. C'est quoi là? C'est écrit quoi là? Non. Vendredi. Voilà, donc vendredi, tu vois, on fait comme ça. Hop, vendredi, on barre le vendredi. Excusez-moi pour la petite interlude, hein. Voilà, on barre le vendredi parce que c'est passé. Et maintenant, on est... Non. Samedi. Voilà, aujourd'hui, on est samedi. Non, on le barre pas. On le barre pas parce qu'on est samedi aujourd'hui. On le barre pas. On le barre. On fera la croix demain quand on sera dit. Mars. Très bien. Après dimanche, c'est quoi? C'est le premier jour de la semaine, c'est lundi. Très bien. Alors, mardi, jeudi. Non. Non, après mardi, c'est après vendredi. Non. Mercredi. Très bien. Vendredi. Non, jeudi. Ensuite. Bravo. Prêt. Il y a les vacances. On était déjà en vacances là, il y a pas école bébé, donc c'est les vacances, hein. Donc vu qu'il y a le coronavirus, bah, c'est des vacances. L'école elle a fermé. Après le 3, le 0, on est combien après? Après c'est fini, le mois est fini. Alors, on est sur du Stalker des deux côtés, on a fait de l'adepte pour Trap. Et bien sûr, on va de l'autre côté de la map. De quoi, Christian? Non, mais tu peux parler, les gens ils t'écoutent bébé, le micro il est allumé là, les gens ils t'écoutent. Mais moi je veux parler. Non, pas dans le casque, pas le casque sur la tête. Parce que si tu as le casque sur la tête, moi je parle, les gens ils vont pas m'écouter. Déjà qu'ils m'écoutent pas de base, parce que je raconte des bêtises. Ah là là. Alors Nina, ouh! Nina qui a pas chopé les adeptes. Nina qui a pas chopé les adeptes. On est sûr. Donc on a pose de base du côté de chez Trap. Par contre Nina elle a toujours pas posé sa base. Nina, qu'est-ce qu'elle fait Nina? Nina t'as dit? Nina oui. Ah ça y est, elle a posé sa base. Nina c'est la personne qui est là. Non mais c'est pas Nina qui est dans le casque. C'est d'autres gens qui écoutent papa. Là, tu vois, c'est Nina qui joue avec la couleur bleue. Et là, c'est Trap, le monsieur qui est là, qui joue avec la couleur rouge. Est-ce que tu peux dire bonjour à Trap? Non, mais tu peux pas dire bonjour à Trap, il t'entend pas, Trap. Mais tu peux dire bonjour le chat. Bonjour le chat. Non, le chat. Ah, le chat. Voilà. Très bien, bravo. Alors, on est parti sur du conseil. Oui, tu vois, là c'est Loge qui a répondu. Loge, il t'a dit bonjour. Voilà, il a écrit bonjour. Et puis t'as Zeschling, il a aussi répondu bonjour. Bonjour Nina. Non, mais Nina, elle t'entend pas, je t'ai dit. Elle t'entend. Oui, elle t'entend, voilà, si tu veux, elle t'entend. Alors, on a du Blink du côté de chez Nina. Et du côté de Trap, on est parti avec la robot. Robot, Blink aussi, robot et Blink. Très bien. Pour l'instant, les deux joueurs font la même chose et on a la forme. Non, mais le téléphone, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que c'est mon deuxième écran, mon téléphone. Tu peux jouer à l'autre téléphone si tu veux.
je vais te le mettre. Bah oui, bah écoute, on fait avec les moyens du bord. Hein. On fait avec les moyens du bord. Kilo, tu peux tourner comme ça. Non mais c'est pareil, tu veux quel jeu? Attention, tu fais pas n'importe quoi, d'accord? Apprends-lui le rapid fire plutôt que les jaunes de la semaine, c'est plus utile. Attends, bah déjà je la ferai pas jouer Protoss. Voilà, hein? Je la fais pas jouer la race OP, faudra qu'elle joue Terran. C'est tout. Parce que Terran, c'est la race où si tu la joues, bah au moins t'as une âme, hein? Alors, on a fait pas beaucoup de dégâts du côté de Trap. Deux probes ont été tués simplement. Il a été obligé de cancel un bâtiment, Nina. Elle a été obligée de cancel un bâtiment. C'est un peu dommage. Alors on a deux bases partout. On rajoute deux gates. C'est bon, tu y arrives? Non, j'arrive pas. Bah donne, je vais te faire voir. Non, parce que, ah non, t'as appuyé sur tap, passe. Si, il marche très bien. Faut aller là. Voilà. Et ensuite, on a une pause de B3 côté trap, pareil pour Nina. Attends le temps que ça charge. Le blink est terminé du côté de Nina. On a lancé son 1 d'attaque. Voilà. Hop, joué. Et après, tu lances. Et t'appuies pas sur d'autres boutons, d'accord? Plus 1 d'attaque des deux côtés. On a beaucoup. On a beaucoup, non? On a quelques stalkers. Pour les deux joueurs, Trap a toujours quand même l'avantage au niveau armé. Son blink s'est terminé. Je sais pas s'il a chopé un stalker. Il a peut-être pas chopé de stalker là. Il semble pas. On a vu. Pose d'autres gates. On a l'avantage économique pour Nina. 52 probes à 46. On est sur de la charge maintenant qui est recherchée pour Trap. Charge, le plus 1 d'attaque. Ça va, t'y arrives? Ouais, ok, d'accord, c'est cool. On est sur quoi là? Imo, pareil. Imo, je crois qu'il avait pas fait d'Imo. Tu sais, il avait un seul Imo trap. Il a fait qu'un seul Imo. Ah, tiens, bizarre. Je pensais qu'il avait fait plus d'Imo, mais non. Généralement, en PVP, 2-3 Imo, pas plus quoi. Ça va pas plus, hein. Ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Et on a l'archive des Templiers. Voilà, bâtiment qui fait du dégât. Plus 2 d'attaque recherché par Nina. Le plus 1 n'est pas encore terminé pour notre ami Trap. Trap qui est sur 55 probes. Il a refait un petit peu de retard. Et la bête soutien robotique pour Nina. Et Trap qui a même sa B4. Trap il est couillu. Hein. Trap il pose la B4. Quoi. Trap il pose la B4. Et comme je dis à mon joueur Protoss, dès que tu poses une base, il faut que tu poses la batterie de bouclier devant ta base. Parce que sans batterie de bouclier, ta base elle sert strictement à rien. Et on a aussi B4 pour Nina. Voilà. Par contre, on a quand même 7 propres de retard du côté de chez Trap. Et les 7 propres. Voilà. Il est peut-être de retard au niveau récolteur, mais il a l'avantage armé. Donc ce qui est quand même au final. Plus intéressant pour lui, le but étant d'avoir une armée supérieure. Hein. Alors là, on va avoir le rencontre des deux armées qui va bientôt arriver, puisque Nina va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je sais pas si on entend un petit peu le bruit que ça fait. Ouais, bah c'est bravo, très bien. S'il entend un petit peu le bruit, là on voit que coucou. S'il entend le bruit des cailloux qui sont cassés, enfin si elle entend pas, le bruit des cailloux cassés, attention, hop, on récupère un petit peu de stalker, voilà. Et là on y rentre. Oh le force feed. Ah le force feed. Il fait quoi Oh Trap il est carrément rentré chez Oh mais lol. Ah il nous a fait un truc Trap. Il est rentré Stalker Blink. Boum je bousille tout quoi. Ah oh, bon bah 2 à 0 hein. 2 à 0. Laissez-moi passer. Mes stalker blinks sont les meilleurs. Attention parce qu'il y a un disrupteur qui est juste derrière là. S'il y a une bonne connexion, ça peut faire la différence. Hein.
ça peut faire une différence. Et pour l'instant, tu raté. Allez hop. Bon bah merci d'être passé hein. Attention, les sentry. Oh joli le petit pitch-up là, je crois que ça détruit un zilote et un stalker. Ça va pas détruit plus. Ah oh, c'est des forces, c'est des force feed des sentry qui font le taf. Pa. Allez, on a rewarpé 6 stalker, attention, non rien. Et le GG. Le GG de Nina et ça fait 4 à 0. Ça va, tu y arrives? Presque, on dit pas presque. Ça fait 4 à 0 pour Africa Freaks qui remporte ce deuxième clan war de l'après-midi. 4 à 0 pour Africa Freaks. On est bien parti pour un 6-0. Après, spécial stats, ça va être beaucoup plus intéressant à voir. Ça va être beaucoup plus intéressant à voir. Je fais une petite pause et une petite pause boisson et je vous dis à tout de suite.
On est de retour pour ce troisième et dernier match de Clan War numéro 2 entre la team Exeon et la team Afrikafrix. Bien sûr, remporté par Afrikafrix 4-0 déjà. Enfin, remporté par Afrikafrix, le score final sera bien sûr après ce match. Et on est parti sur spécial contre Stats, le match DSS. Le match peut-être le plus intéressant à voir. Nous avons donc en bas à droite de sous-marin en Protoss rouge représentant Afrikafrix. Il s'agit de Stats. Et en haut à gauche représentant la team Exeon, il s'agit du terrain bleu mexicain Special. Tiens, ils sont dans la même pièce. On dirait qu'ils sont dans la même pièce. Ah, il y a Stats. Non, tu peux pas jouer à celui-ci, bébé. Faut que tu cliques sur la croix. Viens, fais voir. C'est bon ? Fais voir. C'est bon ? Ouais. Ah, voilà, tu vois. J'ai l'impression qu'ils avaient Stats, ils se marraient. Ils rigolaient sur un truc. Alors, on a une Rax, Gaz du côté de chez Spécial et du côté de chez Stats. Pareil, on a la Gate et le Gaz. Gate Gaz, Rax Gaz. Ouh, c'est pas une deuxième Gate ça ? C'est pas une deuxième Rax ça ? C'est une deuxième Rax ça ? Mais oui, c'est pas vu ça en plus, je crois. La deuxième Rax, elle est pas vue. Mais elle n'est pas vue cette deuxième Rax. Ça va partir sur du double replay, dites donc. Je crois pas qu'il l'ait vu. Hein. Si on peut avoir la vision du de Stats, s'il vous plaît. Ouh, attention parce que cette probe, il ne reste plus que 2 PV. 2 PV. Ah, c'est pas vu. Merci. Merci Jean-Claude. Jean-Claude Ops. Merci Jean-Claude Ops. On est sur deux Reaper. On est sur du Reaper 2x2. De la part de Spécial. Du côté de chez Stats, on a fait son deuxième Nexus. On est sur de l'adepte pour l'instant. Et la probe, il y a une probe qui est en train de monter. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est une probe en haut à droite. Voilà, c'est ça. Bah, la probe de tout à l'heure d'ailleurs. C'était la probe de tout à l'heure. Hop, le petit je bouge gauche droite. Alors, l'adepte n'est pas encore sorti. Conseil crépus en production pour Stats. Ça y est, l'adepte qui sort. Alors, il a fait joli la petite grenade. Alors, il y a deux Reapers de l'autre côté de la map. Donc on va avoir les 3 Reapers qui vont pouvoir aller faire quelques dégâts au niveau des lignes de minerai. Ce serait bien qu'il envoie ses Reapers dans la B1. Notre ami Special. Parce que pour l'instant, ils font pas de dégâts hein, ces Reapers. Ils sont juste là pour faire joli quoi. Oh bah ouais, bah tiens. Au moment où ils voulaient monter par là quoi. MDR Spécial. Alors on a robot. On a robot du côté de Stats, et ça y est, ah bah voilà, qu'est-ce que je disais. Enfin, voilà, hop, un Reaper qui tombe. Oh, ça fait que dalle, ça. Il a fait que dalle avec ses Reapers spéciales. Même pas une probe de tuer. Ah si, une probe. Ah si, c'était vrai, une probe à 3 Reapers. MDR. Blink. On a deux gates pour l'instant, deux gates robots, le bunker qui va se terminer du côté de Spécial. Et on est sur quoi? On est sur spatioport. Attends, on va avoir un switch spatio. Non, il va pas faire du. Il va faire peut-être du corbeau. Ça va être du corbeau, je suppose, non? Ou pas. Attention. Roulement de tambour. Oui, corbeau. Très très bien joué le corbeau. Très très bien joué. Maintenant on est sur du marine. On a fait une troisième caserne.
troisième caserne, centre technique, on a pris un autre gaz. Et on a déjà un premier tank, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas un tank. On a un premier tank là qui est en production, mais il n'y en avait pas d'autres. Pose 2B3 pour stats, qui est toujours qui bien sûr devant au niveau économique. 46 de pop probe contre 37 VCS. Alors on a un retard de plus 8 de retard. Enfin, moins 8 de retard. Ouh, oh, joli le coup d'œil. Pas mal ça, spécial. Pas mal du tout. Alors le blink va bientôt se terminer, voilà. 10 secondes, on va avoir du colosse aussi. Il a maigri, oui, il a beaucoup maigri spécial. Il a, je ne sais pas si vous le suivez un petit peu sur ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou au Twitter, principalement sur Instagram. Et il avait fait voir une photo de lui, c'était l'an dernier. Il était un petit peu plus enveloppé à une photo d'il y a quelques jours là pour la GSL. C'était la semaine dernière d'ailleurs. C'est ça, c'était pour la semaine dernière. La GSL et il faisait voir que voilà, le travail paye, comme il avait dit. Il n'est pas devenu plus fort. Il n'est pas devenu plus fort, mais il a bien maigri. Et en tout cas, ça, franchement, on se connaît pas, hein, mais je suis très content, très fier et très content pour lui. Ça fait du bien qu'il se soit remis en question par rapport à ça. Ne pas non plus avoir un poids morbide et d'être un petit peu trop en surpoids. C'est bien ça. Généralement on fait la réflexion comme quoi les geeks, enfin les joueurs de jeux vidéo sont des personnes qui restent devant leurs écrans toute la journée à ne pas bouger, à ne rien foutre, à manger, un petit peu comme la caricature qu'on a eu dans South Park. Je sais pas si vous avez vu l'épisode de South Park, on voit le mec, d'ailleurs il y a eu un cosplay qui a été fait de lui, et en plus d'ailleurs après le mec qui a fait cosplay, donc le cosplayer qui a fait ce cosplay du personnage de South Park est décédé il y a peu de temps, mais ne pas trop faire en sorte de faire de l'exercice assez régulièrement, manger un peu tout, mais manger quand même assez équilibré, hein. Mais manger un peu tout, ne pas trop manger de cochonnerie entre guillemets, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, ça m'a dégoûté quand j'ai vu que le mec était décédé, quoi. Quand il a fait le cosplay, c'était à la... Je crois que c'était à BlizzCon d'ailleurs, ou à une GamesCon. Je sais plus quel événement il avait fait le cosplay, et c'était trop le mec. C'était trop le personnage de South Park, quoi. C'était hallucinant, quoi. Et on a Spécial qui est en train d'aller pusher avec plusieurs tanks. On a le Steam, on a... Oh joli là, on a envoyé le petit missile là pour enlever du bouclier. On a eu un drop dans la B1 qui a fait du dégât. 8 probes ont été tués. Et là, est-ce que... Attention. Oh, est-ce qu'on va choper... On a chopé le disrupteur avant qu'il nous fasse des dégâts. Ouh, mais dites-moi, est-ce que Spécial va prendre la première game? Est-ce que Spécial va se prendre cette première game? Oh, le colosse. Oh, il a pris un shot là. Oula, il a failli choper le... Ah ouais, on récupère un tank. Oh, joli. Oh là là, ce pick-up de tank. Oh, ça a été magnifique ça, de la part de Spécial. Il y en a encore 13 probes. 13 probes ont été tués. Ah là 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 là. Mais dites-moi, Spécial, il joue très très bien. Et voilà, on va taper la B3 maintenant avec ces deux tanks. Il me semble qu'il a la thermolance, non? Ouais, il a la thermolance. Il a la thermolance sur ses petits colosses. Il défend. Ah, le GG de Spécial. 5-0 pour AfrikaFrix. Ah, c'est chouette. Ah là là, c'est dommage, je le voyais pas perdre. Il est mort de rire à stats. Il est mort de rire, le gars. Ah, je le voyais pas perdre comme ça, enfin dire GG comme ça, Spécial. Putain, il était devant au niveau armé, un peu au niveau économique, même s'il avait pas de B3, mais je le voyais pas partir sur un GG quoi. Oh merde! Oh le con! Tu fais quoi sur le téléphone là? Tu joues toujours? Ouais, non. Fais voir le téléphone. Dépêche-toi.
Dépêche-toi. C'est un peu triste. Attends, je vais te le faire. Et après, après on t'y arrête, hein, d'accord? Parce que le téléphone, il commence à devenir un peu trop chaud, la bébé. D'accord? Allez, on va partir dans la deuxième map. Ah, tiens, Lightshade. Pour une fois qu'on n'aura pas une. Tiens, voilà. Lightshade qui va être la deuxième map et la dernière de ce clan war de cette journée numéro 2. Donc Lightshade qui est lueur nocturne en français pour ceux qui ne savent pas le nom de la map en français. Allez, en haut à gauche en protos rouge, il s'agit de Stats, représentant la team Africa Freaks. Et en bas à droite en terrain bleu, représentant la team Exeon, il s'agit de Spécial. Et on a une probe qui a été envoyée de la part de Stats directement. Ops PTB Hailer Ops SK Rangy. Je connais pas SK comme SK Gaming. Alors la probe qui arrive de l'autre côté. Oh, l'Arax. L'Arax de spécial qui est un petit peu. Qui est un petit peu caché là. Et on a la prop de Stats qui va décider d'aller scouter. Voilà, c'est fait. Coucou. Allez hop, GG. Oh bah alors là si tu retardes, oh bah MDR. Oh là 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 là. Oh spécial. Oh, il va perdre son VCS. Oh il va perdre son VCS. Oh purée. Oh, il est toujours pas fini. Sarax qui est toujours pas fini quoi. Ah Larax. Ça va quoi. Putain le retard qu'il a pris là. C'est hallucinant. Allez, un Reaper en production. Et on a une B2 pour Stats, bien sûr. Le cyber qui est à moitié terminé ou à moitié commencé. À vous de trouver le bon mot. Alors, on a les deux gaz qui ont été pris par spécial. Hop, droite-gauche. Il y a deux V16 qui sont dans le rouge. Il veut choper les deux V16 qui sont dans le rouge, je crois. Oh, mon dieu. La prop qui est morte, tuée par un VCS. Ah, le chacal. Ah, le chacal. Alors, on a un adepte de la part de Stats qui va sortir. L'usine est bientôt terminée. On a un deuxième Reaper aussi qui va sortir pour spécial. Mais c'est tout. C'est tout. Et on a la Stargate. Attention. Attention, Reaper, est-ce qu'il va voir? Hop. Ah, dommage. Dommage. Peu de PV hein, Reaper. Hein. Stargate qui n'a pas été vu. Elion Spatioport. Tout. Elion Spatioport. Parce que tout à l'heure on a vu c'était Percival. Percival qui avait fait un barbecue ou c'était Maru. Non je crois que c'est Percival hein, qui avait fait le barbecue. Au niveau des VCS, des probes de Chechi, c'était waouh, c'était hallucinant. Mais non, il va pas faire ça. Et on a un Reaper qui est déjà mort. Deuxième Reaper qui va mourir. Et on a deux drones de probes qui sont décédés. Et on va avoir, voilà, c'est vu au niveau, ça sera du Phoenix. Trois probes déjà. Trois probes, eh ben purée, trois probes, un Elion, deux Reaper. Et on a la B2. Allez, ça suffit, c'est bon. Ah, oui, c'est bon, je suis celui. Donc on a du Phoenix pour Stats. Il y en a un déjà sur le terrain.
Il y en a un deuxième qui va arriver derrière. Et on a de la mine. On a de la mine. D'ailleurs, il est vu. Hop là. Attention. Deux phoenix. Si on a de la mine d'ailleurs. Ouais, il y a une mine ici. Il y a une mine. Attention. Ouh là là. Ouh la mine. Ouh la minace. La minace a failli tomber. Alors, on a toujours de la production de phoenix. On a une diète supplémentaire. La robot qui vient de se terminer. On a la B3 qui est posée pour spécial. On est sur 31 VCS, 40 probes pour notre ami Stats. Et attention, est-ce qu'on peut soulever? Ouais, on peut soulever les mines. Hein. Il n'y a pas beaucoup par contre du côté de spécial pour défendre. Même s'il y a 23 unités de pop armé contre 17 pour Stats. Et on a la Rax qui a été s'opposer. Ah là, il a soulevé sa Rax pour la mettre là. D'accord, ok. Très bien, très bien. On a un petit peu supply côté spécial. Hein. Spécial, il est supply. Bête soutien robotique. Mm-hmm. Colosse. Pour notre ami Protoss. Alors. Oh la mine. La mine. On dirait qu'il est assis. Il peut s'asseoir sur le. Il peut s'asseoir sur la mine le marine tellement qu'il est petit. Donc la mine est cachée par le Marines. Alors je suis pas sûr. Non, on dirait. Ah. Ça c'est marrant, les ombres, ça fait penser à les ombres de Batman. Le logo de Batman. MDR, n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, un VCS. Un Marines. La Minas. Est-ce qu'il va, il va le voir, non? Il a pas vu qu'il y avait un... Un Ops. Il a pas vu qu'il y avait un Ops. Ah, il a fait, il est en train de faire la... Il est en train de faire un corbeau. Très bien, très bien. Donc pour l'instant, on est toujours sur du Marine Tank. Pas... La deuxième Rax, deuxième et troisième Rax qui se finissent, qui vont se finir assez rapidement. Oh le cyclone, oh le cyclone. Et un et marine, deux marines, trois marines, quatre marines, allez hop. Ça a fait du dégât. Et la B3 qui va se positionner. Et on est bien sur du colosse. Colosse avec la thermolance. On le steam vient justement d'être lancé. Oh la mine. Oh joli. On prend encore des VCS 3. Et le Medivac. Le Medivac. Ah dommage. Medivac il était peu. Hein. Medivac peu. Ça aura fait gros dégâts de prendre le Medivac. 64 probes pour stats. C'est hallucinant comment il a droné quoi. Il a droné un max quoi. Il a fait de la récolte. Hein, le petit stats, c'est pourtant c'est pas les vendanges, mais il a fait de la récolte. Hein. Allez, ah, le viking, ah il a pas eu le temps de se poser le viking. Il a pas eu le temps de se poser et on a quand même tapé l'ops. Allez, on a la charge, le plus 1 d'attaque, 2 défense et la thermolance qui sont recherchés par le joueur Protoss qui pose même une quatrième base. Et du côté de chez... du côté... Alors, on prend encore des VCS. Oh là là. Oh, le corbeau. Oh, alors, le corbeau, il est tombé. Et en plus, il y a une mine qui a tapé des phénix. T'es toujours sur le même jeu? Non, 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 non. Ça, c'est pas pour toi, ça. Ah, mais ça, tu sais pas jouer à ça, Chloé. Mais tu sais pas jouer à ça. Ah, le téléphone il est chaud, on arrête. C'est bientôt fini de toute façon. On va bientôt partir. Alors, on est sur. Ça, c'est l'amélioration du prisme. Va t'asseoir. Allez. On est sur l'amélioration du prisme. Oula, le Medivac. Oh, le Medivac. Ouh, je crois qu'il l'a vu, Stats. Je crois qu'il l'a vu. Ouais, c'est vu. Wouah. Wouah. Voilà, et le colosse et le phénix, les colosses et phénix, et le Medivac qui va mourir, et voilà, 59 de pop armé à 55, 68 de pop récolteur à 67 VCS pour spécial. En termes de technologie, on a le bouclier et l'obus incapacitant qui sont pas loin de se faire, enfin ils sont pas encore finis. Mais on a la charge, on a la thermolance et on a le plus 1 d'attaque et de défense côté
stats qui se sont terminées. Voilà, donc on est 1-1 pour les deux joueurs. Malheureusement, il y a quand même 3 colosses, ce qui n'est pas rien. Il y a quand même 3 colosses. Et là, c'est... si tu vas dans l'armée... Non, pas aujourd'hui. Et les colosses qui font du dégât. La mine, elle a fait du dégât aussi. La mine a fait du dégât. Oh, deux petits îlots qui arrivent et tout. Oh là là là. Lol. Bon, il est mort, le prisme est mort, mais ça fait quand même du dégât. Oh, le tank qui va pas mourir. Et on a toujours l'avantage économique côté stats. La stats qui a lancé son 2-2 ainsi que le blink également. Et on est sur une cinquième base même. Oui, on est sur une cinquième base alors que la quatrième va juste se poser à l'instant pour spécial. Il va poser sa quatrième base juste à l'instant. C'est hallucinant quand même. Stats, il prend des bases, mais comme du pain sur du beurre, quoi. Du beurre sur du pain plutôt. C'est peut-être plus, voilà, c'est un petit peu plus comme ça quand même. Du beurre sur du pain, quoi. Académie fantôme, bâtiment ADT, une deuxième robot. Est-ce que ce serait pour avoir du disrupteur par deux? Parce que je ne pense pas qu'il y aurait du colosse par deux. Ouh, il est mort. Alors, on a bien du disrupteur par deux. On va avoir du disrupt par deux. Alors, on est sur quoi au niveau... À droite, là, c'est quoi? En bas à gauche, c'est un prisme. Je crois qu'il y a un prisme et il y a des îlots charge. Ouais. Prisme, îlots charge. Et voilà, c'est ça. Oh là là. En plus, là, avec la vitesse du prisme, oh là là, ça drop comme un medivac. Stats! Merci, je vais t'appeler Bose. Voilà. Merci, ou thank you, Bose, for the follow. Merci, Bose. Et le. Oh, et puis c'est du DT. La vitesse du prisme, quand même, c'est hallucinant, quoi. La redime à boire. Merci, merci. Je bois, t'inquiète pas, je bois. Oh là là. Et stats qui arrivent avec les colosses. Allez, force feed. Bien joué, ça. Bien joué. On a quand même pris 29 VCS, quoi. Et on est sur 80 probes. Pop, pop, pop. Mais bon. Et on a le blink DT qui est recherché, quoi. Pff, mort de rire ce jeu. Blink DT recherché. Et les îlots qui sont encore là. Le plus 2 de défense qui va se terminer. Oh les bibules. Il y en a aucune qui connecte. Ah les Nova, il y en a aucune qui connecte. Ah tu es français Bose. Stats, c'est ton préféré. Eh bah écoute, tant mieux hein. Et là, je pense que on a. Oh là là. Bon bah c'est GG. Hein. Je suis même dans le. Malheureusement, ça va pas tenir. Et voilà. Boum. Allez hop. Plus de base. Plus de PF du côté de chez. Oh là là. Les îlots qui viennent au contact des tanks. Le Daya. Et voilà. Boum. GG. Et bah voilà. 6-0 pour Africa Freaks face à la team Exeon. Oh là 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 là. Donc on a eu 5-1 de la part de la team NV face à la team Laoper. Et là on a le 6-0 de Africa Freaks face à la team Exeon. Des fois il arrive qu'à se sortir des pires situations du jeu et pourtant sa race l'aide pas trop. Excuse-moi, la race de stats l'aide pas trop. Excuse-moi, allô? Dans mon oreillette on me dit que. La race OP, c'est laquelle? Ah, c'est Protoss, très bien, merci. Ça n'a pas été 5-1 Ah non, c'était 6-0. Ah bah excusez-moi, je me trompais, donc 6-0. La tête à Toto. Lol. Ouais, 6-0. Bah voilà, double roue de vélo. Aujourd'hui, et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain à 13h, Sarah Snet de l'aide, pas trop. Retrouvez-moi à 13h pour la Team GP face à Alpha X, suivi de Dragon Phoenix Gaming face à Team Liquid. Voilà. Et oula!
Non, je vous fais. Non, je suis désolé, je vous fais. Non, pas une deuxième fois. Pas une deuxième fois. Non. Je suis désolé, moi je le fais pas une deuxième fois. Écoutez, on va se quitter sur ça, tout simplement. Hein. On va se quitter sur ceci. Je vais couper d'ailleurs la musique, le son de cette publicité malaisante. Et on va mettre la musique. Voilà, on lance la musique. Écoutez, je vous retrouve donc demain à 13h. Soyez présents. Merci encore pour aujourd'hui. Malgré ce week-end ensoleillé. On se retrouve donc demain à 13h. Passez un bon samedi, passez un bon week-end de Pâques. Et à demain et merci encore. Ciao ciao. Rich nigga, big figure, I'm that tight. Ay, slim, thick, little hips, baby, what I like. Ay, ay, ay. OG, west up, OG. LMP, next up, best up. On the mic like Mike, why me take off? They ain't know that true, you whipping like a race car. Heard the record, bet I make a nigga play swamp. Nigga slept on me, it's time to wake up. Wah, 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 wah. Niggas hating cause they ain't doing nothing, huh? Put in work, you ain't never lie, but hey, do me a favor, leave the drama outside. I put in work, work. I swear I'm up now, had a Nissan in the Jetta, swear I'm gonna get it Tesla, ooh, I feel so electric, this a bust down, VVS is on my neck, got a rolling in, but tech niggas owe me my respect, cause I'm the man now, I'm the man, I'm the man, I'm the man now, 100 grand, 50 grand, I'm the man now, you can't tell me who I am, I'm the man now, I'm the man, I'm the man, I'm the they like man, who that hold up, is that Ronnie? Pull up on the scene, I'm in something clean. I've been grinding for so long, now they notice me. Planting seeds for my future in my family tree. Stay down and I bossed up, had to move a little different. Had to find my purpose, then I found that I was gifted. Living in the present, every day is like a holiday. Took the flight to England, I say vacay, they say holiday. I just fell in love with Lil Shorty and she miles away. I could bet a dub on it, she won't entertain you lames. So what would you do if nothing comes easy to you? I'm living proof, what you manifest really comes true. I swear I'm up now, had a Nissan in the Jetta, swear I'm gonna get it Tesla. Ooh, I feel so electric, this a bust down. VVS is on my neck, got a rolling in, but tech niggas owe me my respect.